Et bonsoir à tous, on est samedi soir, il est 18h, bienvenue dans ce live, ce quatrième Facebook Live de Wingmaster, euh, bienvenue à la maison, ici à Lyon, merci de, de, de nous accueillir chez vous, euh, c'est sympa, pendant ce confinement, on se retrouve ben, deux fois par semaine euh, en direct chez vous et avec Jérôme euh, qui lui se trouve près de Grenoble, salut Jérôme, est-ce que tu nous reçois oui, salut Seb, salut à tous et bienvenue pour ce quatrième live au nouveau euh, au nouveau pilote et puis à ceux qui nous suivent peut-être depuis le premier live. Bon, merci Jérôme. En même temps, j'écoutais si, si le son euh, passait. Ce qu'il faudra, c'est peut-être recaler un tout petit peu ta caméra. Euh, tu es un tout petit peu décalé. Regarde, tu dois voir l'image. Voilà, tu es bien avec euh, euh, notre ami. Euh, c'est Mickey. Mickey qui est derrière. C'est fait, fait maison. C'est ce que tu fais pendant le confinement. C'est fait maison, voilà, exactement. Ouais. Ouais, tu On fais de la mise. déco. Ouais. <laughs> C'est pas mal là, on est bien. Pas mal, on ouais, euh, ouais. Il y, y a le petit, il euh, y a le petit canot qui est pas loin, on l'entend, c'est ça, non. le futur parapentiste. Bon, et, euh, on va parler pour euh, ce Facebook Live euh, d'un vaste <laughs> sujet, bon comme à chaque fois. Euh, cette fois, c'est le euh, les approches et les atterrissages, Jérôme, hein. grand grand sujet ça. Voilà, tout à fait. C'est un sujet qui peut paraître simple, mais qui est extrêmement important dans la progression dès le début, dès le deuxième, troisième vol. On commence à parler des approches, des différentes approches, euh, du final, de l'arrondi, comment freiner. Et puis ensuite, petit à petit, dans la progression, on va voler, on va arriver plutôt sur des terrains d'atterrissage qui peuvent être différents, pas tout le temps le même, euh, ensuite dans des aérologies différentes, avec du monde ou pas de monde, donc ça fait quelque chose de très varié pendant la progression et qui peut poser des problèmes au début, l'apprentissage la, de l'atterrissage et de la précision euh, d'atterrissage et il y a un point qui devient de plus en plus important dans la progression. C'est peut-être le point le plus long à, à assimiler pour un pilote euh, en début de progression. Et on, on c'est vrai que c'est un, un, le parapente un sport à progression lente, hein, c'est ça. On dit souvent, euh, on réussit toujours les premiers atterrissages parce qu'on est en radio. Et après on est confronté quand on est, quand on, est, quand on, on se retrouve tout seul, à, on sait plus. Moi j'ai l'impression d'avoir, d'avoir euh, bien fait tous mes premiers atterrois et puis après se retrouver tout seul, dire bah, ça va. Et puis à des moments, euh, bah, le doute arrive là. On ne sait plus, on sait plus ce qu'il faut faire et il euh, y, a, y a des éléments extérieurs qui fait qu'on se, qu'on qu se pomme un petit peu, non? T'as as, as eu ce sentiment-là aussi dans, dans ta progression? Tout à fait. En, en, dans, dans ma progression, même dans l'encadrement des pilotes au début, on a bien euh, le, le fait d'accompagner les gens en radio et tout, c'est très rassurant, etc. Et une fois qu'on coupe la radio, qu'on fait un silence radio véritable, là, le pilote se rend compte immédiatement de ce qu'il a assimilé, ce qu'il a compris, et il est tout de suite confronté à, à ses capacités, à ses compréhensions. Donc, il y a souvent un, un gap, un fossé, là, entre, entre les premiers vols complètement seuls, même s'ils sont dans un environnement euh, idéal, aérologique, calme, personne, grand terrain d'atterrissage connu, etc. Mais l'arrêt le, le, de la radio euh, est, un, est un moment important à passer. Et l'atterrissage est d'autant plus euh, compliqué ou long à apprendre comparé au décollage. On peut, on peut vraiment euh, répéter des décollages, faire du gonflage, etc. Euh, pour s'entraîner au au gestuel de gonflage et décollage, par contre, il est compliqué de s'entraîner à atterrir. Il faut il faut vraiment voler pour s'entraîner à atterrir quoi. Donc ce qui rallonge le le temps d'assimilation du poser quoi. Oui et puis c'est ça, il y a un atterro à chaque fois quoi. C'est autant le décollage tu peux le rater, le recommencer quatre <laughs> fois, autant l'atterrissage ben, tu te poses une fois et tu dois retourner Exactement. voler pour pour l'atterro quoi. Euh, et alors euh, parlons tout de suite de, de, de Wingmaster, ce qui est intéressant euh, et donc dans ce qu'on a voulu faire dans Wingmaster aussi, sur, sur l'atterrissage. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on qu vient de nous poser c'est est-ce que le, la masterclass correspond à des niveaux de pilote initial euh, Ce qu'on a voulu faire dans, dans, le, dans, ce, dans ce chapitre sur les atterrissages dans Wingmaster, qui dure plus d'une heure, euh, c'est que tu as, tu as recensé tous les types d'atterrissage euh, et tous les types d'approche pardon, d'abord. L'approche les, 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 en S, l'approche en U, les PTU, PTS, PT8. Euh, également tout ce qui est visualisation et ensuite toutes les techniques euh, d'atterrissage euh, même avec les oreilles on va, on va avoir l'occasion d'en parler euh, euh, ce soir c'est un, un très gros chapitre c'est euh, moi je trouve hyper bien hyper intéressant même quand on est pilote et que, alors effectivement pour les débutants c'est vachement bien mais comme on, même quand on a de l'expérience ça permet de revoir et il y a plein de petites astuces il y a plein de petits trucs euh, de positionnement euh, de, de, de mise en place de, de préparation même mentale j'allais dire de, de ces approches et, et atterrons, hein, Jérôme Oui, l'objectif de ce chapitre, c'était bien de commencer du début, donc des approches euh, standards, on va dire, dans, dans un... Dans un environnement très adapté et ensuite petit à petit c'est que ça va crescendo c'est-à-dire qu'on va rajouter des techniques en approche les différents types de poses qu'on peut faire et surtout des différentes aérologies donc euh, tout le monde en a pour son pour son compte en fait et en plus on peut revoir certaines astuces les essayer revoir comment on fait etc donc c'est un chapitre qui est assez riche quoi oui donc on va parler de tout ça ce soir, on va parler de vos propres expériences en approche et en atterrissage, avec des, des, des retours et des questions qu'on a qu'on a déjà eues, et ça va susciter plein de questions ce soir. Donc on est à votre on est à votre disposition pour répondre, enfin Jérôme surtout, à vos questions. On est déjà près de 300 personnes en live sur, sur, sur live en direct ce samedi soir. Donc n'hésitez pas déjà à partager cette publie. On aura des petites questions, un petit sondage tout à l'heure avec des petites questions. Que Jérôme vous pose pour voir votre pratique de, de, des atéro et si vous avez euh, bien assimilé tout ça. Et on pourrait peut-être commencer par un extrait de, de, de la masterclass de Wingmaster ouais. euh, sur une visualisation. Et... Oui, dis-moi dis, dis Jérôme. Ouais, et voilà. Et juste avant la vidéo, pour que ensuite la discussion soit claire en, entre nous, en fait, je, je décompose le vol en plusieurs blocs. C'est-à-dire il y a le bloc euh, analyse, gonflage, décollage, c'est un premier bloc. Ensuite, il y a un deuxième bloc qui est le vol, ensuite il y a un bloc qu'on appelle approche, c'est le troisième bloc, et ensuite le, le quatrième bloc qui est le final et l'atterrissage. C'est à dire que vous verrez dans la discussion pour qu'on se comprenne bien, je sépare bien ce qui est approche de la ligne droite finale et de l'arrondi. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes, c'est à dire que une approche bien faite, bien réalisée, va permettre un final qui arrive à l'endroit souhaité. Euh, et voilà et quand on démarre sa progression en fait le bloc approche et le bloc euh, final est arrondi et un bloc qui est extrêmement important en temps quoi c'est à dire qu'on a les deux tiers du vol qui correspondent à ces deux blocs et plus la progression plus l'expérience augmente plus le bloc approche final et devient petit voire on verra même y a des, on peut faire des vols sans vraiment d'approche quoi il n'y a que le final et l'arrondi quoi voilà donc ça devient euh, le, le bloc vol lui devient de plus en plus important alors que le bloc final et le bloc approche c'est de là diminuent quoi? C'est vrai qu'au début, tu veux dire on a on a besoin de ce temps d'approche. C'est quelque chose même mentalement qui effectivement quand on débute, c'est on est quand même concentré sur où est-ce que je vais me poser, comment je vais me poser, dans quel sens. C'est et, et à la fin quand on a de l'expertise, de la maîtrise, on va se poser directement sans même réfléchir. J'allais dire c'est comme quand on conduit une voiture. quoi C'est au final ça devient Exactement, un réflexe. Quoi. Voilà. Au début, on a besoin de hauteur pour pouvoir essayer, se replacer, faire des essais erreurs. Et petit à petit, une fois que les virages sont assimilés, une fois que les, le, le, la visualisation de l'approche qu'on met en place est, euh, est comprise, on en prend conscience. Une, euh, une, 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 tout ça va prendre moins de temps après. Voilà. Mais au début, il faut qu'on en fasse beaucoup, qu'on se place, qu'on se replace, etc. Et alors, on avant de, de voir l'extrait dont on parlait, il y a effectivement des questions. Savoir euh, alors euh, pour les débutants, savoir si euh, au bout de 50 vols, il faut acheter Wingmaster ou pas. Wingmaster, c'est vraiment euh, pour tous les niveaux, même si vous n'avez pas commencé le parapente euh, ou si vous le pratiquez depuis dix ans, euh, vous allez vous y retrouver et vous allez pouvoir. Enfin, la durée de vie de Wingmaster, euh, c'est euh, euh, infini, j'allais dire, parce qu'on peut toujours revenir, même après dix ans de pratique, revoir des techniques, euh, revoir des choses anciennes et découvrir euh, plein de petites astuces. Et Surtout, il y a une remise à jour euh, dès cette année euh, régulière du, de, avec des nouveaux chapitres, des voilà, nouvelles techniques. Et comme le dit Jérôme souvent dans, dans, dans Wingmaster, les techniques ont évolué. Donc les gens qui ont appris il y a 10, 15 ou 20 ans, ils vont redécouvrir des façons de voler qui ne sont plus les mêmes. Hein, C'est ça. Notamment sur les atterros. Hein. Voilà, sur les atéro avec l'évolution du matériel, euh, etc. Et aussi, le, on peut dire que maintenant, le, le vol libre à 35 ans en parapente à peu près, hein. donc euh, on, on a on, on arrive maintenant à avoir une bonne base en fait d'enseignement, de technique et tout. Ça devient, ça commence à, à devenir bien posé, un peu comme un manuel de ski. Et, et on va avoir plutôt des petites évolutions en fonction du matériel, etc. Mais la, la base est là. C'est pour ça que que Wingmaster, on peut l'acheter même, euh, on, on peut euh, euh, se la procurer et l'utiliser même avant d'avoir volé pour avoir une idée de ce que peut être une progression. Vous pu, vous pouvez l'utiliser en complément de ce que vous faites en formation avec vos moniteurs échanger avec eux. Et puis, si vous voulez déjà que vous êtes au pilote autonome, revoir un peu, faire un peu une mise à jour. S'il y a longtemps que vous n'avez pas été en formation, si vous n'avez pas eu un discours un peu plus récent sur les techniques, etc., ça vous permet de clarifier les choses, en fait, et de vous situer par rapport à ces techniques. Bon, Jérôme, merci. On va rentrer dans le sujet du jour, qui est... Ça va Tu tu pas de corona avec toi, Jérôme Non, non, c'est le... <laughs> Je ne sais pas. C'est le retour de la réunion. Il y a eu, il y a eu la clim, le, le changement de température. Euh, on se regarde le premier extrait de, de Wingmaster euh, qui concerne la visualisation sur l'approche. Le, le, C'est ça. Hein Tout à fait. On va, on va voir. Euh, ça, ça dure. Euh... Une, quelques dizaines de secondes, ce pas très long, mais pour avoir, pour, euh, on a marqué sur l'image le type de visualisation que vous pouvez avoir quand vous arrivez en approche, c'est que prendre conscience du, du schéma d'approche que vous allez mettre en place en fonction de l'environnement, etc. Donc ça va vous donner une idée. Quoi. On regarde ça et tu, tu, nous commentes, tu nous commentes ça après, à tout de suite. Sur cette approche, je vais donc vous montrer... La prise de terrain en U. Faire un grand U qui se divise en trois morceaux. À partir du point de départ, une branche vent arrière qui sera là le long de la plage, côté mer. Ensuite, une étape de base qui sera perpendiculaire à la plage. Et ensuite, une branche finale qui sera face au vent vers l'endroit où je vais poser. Au milieu du terrain, au niveau du triangle en sable, il y a deux touffes d'herbe. Donc le placement, je vais me situer au vent du terrain. Sur le côté, côté mer, ça sera la zone de placement qui me permettra d'attaquer quand je veux ma branche vent arrière, mon début d'approche, ma première étape dans l'approche prise de terrain en U. Donc au vent du terrain, voilà, je suis au vent du terrain. Sur le côté, donc côté mer, aérologie calme, de la hauteur, pas d'obstacle. Voilà Jérôme, euh, petit extrait de, de ce Wingmaster. Euh, c'est assez court, on veut pas dévoiler l'intégralité euh, de, de, de ce cours qui dure une heure. Euh, là, l'approche, le visuel, euh, c'est hyper important. C'est une c'est euh, un moment critique euh, de, de, pour aller faire un bon atterrissage. Tout à fait. Et puis là, on voit que, que j'arrive avec beaucoup de hauteur pour avoir le temps de, de visualiser cette PTU. C'est une prise de terrain en U, main gauche. Je, vais, je contourne le terrain reste sur ma gauche. Permet aussi de prendre conscience Sur de l'environnement. C'est-à-dire euh, où est-ce que je vais me placer la prise de terrain euh, en le vent, d'où vient le faire vent, est-ce qu'il y a du vent, d'autres pilotes en l'air, etc. Donc c'est déjà je prends des éléments alors que je suis encore très haut, là peut-être euh, 300 mètres sol. Euh, donc ça me permet déjà de prendre plein d'éléments et d'avoir une idée de ce que je vais faire. Plus, assez précise déjà, mais qui va au fur et à mesure de l'approche se préciser, s'affiner, etc. Et l'objectif étant bien euh, de poser, on voit sur le sur cette séquence, on a fait un petit cercle en rouge là qu'on voit maintenant, c'est là où elle posait. Et un des premiers critères de précision d'atterrissage, il faut en tant que pilote que vous sachiez où vous allez poser dans le terrain. Et non pas, je dis souvent aux pilotes avec qui je suis, l'objectif n'est pas, pas de poser dans le terrain d'atterrissage, mais de poser un endroit précis du terrain. Donc il faut pouvoir le visualiser. Euh, donc là, le, la visualisation est très précise, c'est-à-dire que le, le point où vous voulez poser va, va faire, ça va être un rayon de, de, de 5 mètres, hein, pour vous donner une idée. C'est ça qu'on regarde. Là, sur cette image... Euh, c'est imposé dans un terrain de, de foot en, en milieu de ville euh, suite à un cross, donc c'est ce qu'on appelle une vache. Euh, là, on voit bien que le point de poser est extrêmement précis. C'est le milieu du stade, puisque le milieu du stade va me permettre d'être le plus éloigné des obstacles, les tribunes, les lampadaires, etc. Et euh, le milieu du stade va aussi me permettre de, de faire une erreur, soit un petit peu trop long, soit un petit peu trop court, et tout. Je suis obligé de prendre ce point extrêmement précis, et c'est à partir de ce point, ce résultat, en fait de poser cette précision d'atterrissage que je vais construire mon approche. Si vous ne choisissez pas un point précis, euh, ça va être compliqué de construire une approche sans, sans un but euh, très précis. C'est un, un des trucs qu'on oublie de faire au début, on veut poser dans le terrain, mais on ne sait pas exactement où. Quoi. Et justement, c'est une question de, de Vincent euh, Jérôme qui demande euh, quel repère donnes-tu à des jeunes pilotes qui arrêtent le radio guidage pour le déclenchement de la finale Et en fait aussi pour le déclenchement de la base et de la branche vent arrière. Voilà. Et bien ça c'est un truc, ça va être la discussion de, de, de ce soir. Euh, euh, il faut aussi, voilà, une fois que vous avez, je vais vous donner des petits points à, à mettre dans l'ordre en fait, de, de manière chronologique dans la dans la construction de votre approche. Le premier truc, c'est d'arriver assez haut pour prendre des infos sur l'environnement, aérologie les autres pilotes et la visualisation du, du circuit d'approche que vous avez choisi. Ensuite, il faut être en permanence bien placé. Alors, ça veut dire quoi être bien placé C'est vraiment le, le le moment de l'approche, c'est-à-dire quand on est en approche. On doit pouvoir à tout moment de l'approche faire une ligne droite et rentrer sur le terrain et poser. C'est ça être bien placé par rapport au, te au terrain d'atterrissage. Donc, pour répondre à, à la question, quand on est en approche, on arrive toujours, euh, on est en a quand on fait des virages à proximité du terrain, on est globalement trop haut. Il faut qu'on puisse euh, avoir le temps. D'être bien placé et d'attendre le bon moment pour enclencher le, le final. Quand est-ce qu'on doit enclencher le final C'est une question euh, récurrente en fait, quand on commence à faire ses premiers vols et dès qu'on commence à atteindre l'autonomie, le brevet de pilote initial par exemple. Il faut, on peut pas, il faut vous mettre en tête qu'il est impossible de choisir le bon moment une seule fois en fait. Il faut le choisir avant, c'est-à-dire faire des essais-erreurs. Quand vous êtes trop. Haut, quand vous êtes trop haut, on va imaginer une PTS sous le vent du terrain. Il n'y a pas de vent, très peu de vent. Il faut que vous, vous soyez dans une démarche d'essai-erreur. Vous essayez plusieurs fois de, de vous mettre en finale et vous rendre compte que vous êtes trop haut. Et quand vous vous rendez compte que vous êtes trop haut, vous recontinuez à faire vos virages pour ne pas rentrer sur votre terrain. C'est pour ça que le placement en approche extrêmement important, il faut que cette, ce placement d'approche, c'est pour ça qu'on dit ne jamais être sur votre terrain quand vous faites votre approche, sinon vous pouvez pas faire ces essais. Cet essai consiste à faire une ligne droite vers le terrain, vers le point d'aboutissement. Et au fur et à mesure que vous faites ces essais-erreurs, petit à petit, votre jugement va s'affiner. Vous allez vous dire, ah bah tiens, je ne suis pas loin de la vérité. Et pour poser précisément, il vaut mieux rentrer trop tôt sur son, terro... sur son terrain d'atterrissage, c'est-à-dire trop haut, parce qu'il est plus facile de, régu... de régler son angle de planée, c'est-à-dire le dégrader, que de remonter. Voilà, je ne sais pas si je réponds un petit peu à ta question. Et sinon, pour répondre à la question de la PTU, qui est beaucoup plus précise, quand on fait une PTU, quand on commence sa branche vent arrière, elle doit être placée le long du terrain sur un plan à peu près à 45 degrés par rapport à la longueur du terrain. On doit démarrer son étape de base quand on, a dépassé, quand on dépasse l'extrémité du terrain. Pas, trop, pas beaucoup plus loin, mais quand on va dépasser l'extrémité du terrain, quand on arrive sous le vent du terrain, l'extrémité du terrain, là on attaque son étape de base. Et s'il n'y a pas de vent, ça va nous laisser la place de peut-être faire un ou deux virages un ou deux huit avant que salir. S'il y a du vent, peut-être que suite à l'étape de base on pourra enclencher le final tout de suite et si le vent est beaucoup plus fort, c'est- à-dire en fin de branche arrière, peut-être qu'on le demi-tour correspondra, il n'y aura pas d'étape de base, on se mettra en finale. Donc il y a plein de petites variations. On a des petits soucis de, de son de liaison, mais ça va revenir. Euh, Jérôme, c'est rien. Euh, ça passe quand même. Le, il y a une question de Michel. Justement, qu'est-ce qui détermine une PTU main droite ou main gauche Alors, si euh, on reprend la petite, le petit extrait de Wingmaster qu'on vient de vous passer, pourquoi je fais une PTU main gauche C'est simplement, euh, je vous ai dit au début que vous devez visualiser une approche. Euh, en fonction de l'environnement. L'environnement, c'est la morphologie du terrain. Ici, ça, c'est l'atterrissage de Saint-Leu qui est en bord de mer. J'ai intérêt à faire mon, euh, euh, mon approche PTU main gauche dans ce sens avec le, le vent qui est là, c'est-à-dire secteur nord, pour que ma branche vent arrière soit au-dessus de l'eau, parce que je n'ai pas d'obstacle, je vais avoir une aérologie plutôt calme euh, et j'ai de la hauteur, en fait. Si je fais mon approche dans la même configuration devant une PTU main droite, je vais passer au-dessus des obstacles et la fin de mon approche sera très près des obstacles, c'est-à-dire des arbres. Donc à un moment, ils vont, ça va me perturber. Quoi. Donc il ne faut pas hésiter à faire le début d'approche dans ce cas-là, dans les zones sans obstacles. Mais c'est souvent le cas dans beaucoup de terrains. Hein. Le, la prise, prise de terrain U et une, une, vous allez voir en tant que pilote, c'est à peu près l'approche que vous allez faire systématiquement après, quoi, plus qu'une PTS. Merci Jérôme. On a des questions qui ont été posées par euh, les internautes euh, Wingmasterien euh, avant le, le, le direct, avant le live. Euh, on commence par une euh, première question euh, sur un site inconnu. Pilote débutant stressé de ne pas reconnaître l'atéro vue d'en haut car pas visible depuis le dé dé déco. Euh, ça m'est arrivé deux fois. Une fois où j'étais en radio, donc j'ai fini par trouver avec des indications, et une fois où j'ai vaché. C'est Émilie qui pose la question, euh, qui était pas très rassurée apparemment. Ben, tout à fait et je la comprends, euh, sur pilote débutante ça veut dire qu'Emilie tu n'as pas énormément de vols, c'est le début de ta progression donc tu as besoin d'être rassuré et donc euh, tu aurais besoin de quoi je te demanderais euh, quand tu vas faire tes vols et ben c'est déjà d'avoir pu repérer le terrain d'atterrissage ou de choisir un site où tu peux soit repérer le terrain d'atterrissage avant de monter au décollage, soit de, de pouvoir utiliser, fréquenter un site ou du décollage tu vois l'atterrissage, on va dire c'est un petit peu la base. Le but c'est d'être assuré parce que sinon tout ton vol, on va dire les deux premiers blocs, tout ce qui est décollage, vol, tu dois pas être très très sereine quoi, puisque tu t'inquiètes de ce qui va se passer avant. Donc c'est à dire que quand tu vas arriver dans la zone d'approche, déjà il va falloir que tu trouves le terrain, tu vas pas arriver dans un état d'esprit très serein. Donc je te je, je te dirai, en plus ce qui est étonnant c'est que tu es en radio, c'est très très difficile du sol de de, de, de guider quelqu'un qui n'a jamais vu la, la, le terrain d'atterrissage pour qu'il puisse se repérer dans, euh, dans les trois dimensions c'est très compliqué donc tu as intérêt à essayer d'utiliser fréquenter des sites où tu peux voir le terrain d'atterrissage avant et de le voir du déco quoi pour qu'il n'y ait pas de que ce soit clair et que tu aies déjà une idée de l'approche que tu vas faire quand tu es au décollage on a, et une... On a une progression ouais. Merci. J'ai a une question, euh, une nouvelle question. Euh, la voici. J'ai appris à Saint-Leu. Je n'ai qu'une petite dizaine de vols. On m'a enseigné de faire une perte d'altitude sous le vent et d'effectuer des PT8. En me précisant que cette situation était spécifique à Saint-Leu en conditions aérologiques calmes. On m'a également dit qu'en métropole, la tendance était de faire sa perte d'altitude au vent et de se et de rejoindre latéraux en PTU. Ma question, c'est pourquoi Qu'est-ce qui détermine le choix de se mettre sous le vent, au vent, et de choisir une PTU, une PTS ou une PT8 alors, on va dire que on va partir de, du contexte où il n'y a pas de vent, c'est calme. Donc, tu as le choix sur toutes les approches. Euh, ensuite, euh, comme tu le dis très bien, euh, Alessandro, dans ton dans ton texte, en fait. Euh, on, il faut pas généraliser sur la réunion ou sur la métropole hein. ça va plutôt dépendre de ça va dépendre du site que tu utilises et après ça va dépendre du type d'enseignement que tu as eu du type de formation là la formation que tu as eu on t'a plutôt orienté vers une pt 8 pts sous le vent du terrain quand le vent est faible pourquoi pas tu auras appris cette cette approche là il faut on peut pas dire qu'elle est mieux mieux ou moins bien qu'une PTU mais souvent euh, pts et PT 8 sont on les apprend plus, euh, plus rapidement. D'ailleurs, euh, le petit canot... De euh, on, alors que la PTU, il faut un petit peu plus de temps pour l'assimiler, en fait. La PTU, elle est un, un petit peu plus longue à apprendre. Alors que la, la PTS, elle est un peu plus rassurante parce qu'on attend d'un côté du terrain. Il n'y a pas trop de changements. On est toujours face au vent s'il est calme. On a toujours le même visuel, en fait. Et on n'a pas de, de, de variation de vitesse par rapport au sol. C'est pour ça que c'est une approche qu'on fait plutôt au début. Ensuite, en métropole, ça peut, ça peut aussi dépendre des terrains. Il y a des terrains qui sont très grands, là je pense par exemple celui de Douce-Arancy, je pense celui de Saint-Hilaire, euh, celui de je sais pas de, de, de Luchon, euh, de Luchon, de, de Val -louron, qui sont des très grands terrains, euh, en herbe, dont euh, plutôt rectangulaire donc on va plutôt orienter vers des PTU. quoi. Et je pense qu'après, dans ta, dans ta progression ou même dans ta pratique solo, tu utiliseras plus de PTU. C'est pour ça que dans ta progression, je pense que petit à petit, tu, tu feras aussi de la PTU. Jérôme, je m'y retrouve dans ce que tu dis hein. je, je, euh, ça fait 6 ans que je pratique et, euh, et pour avoir appris à La Réunion et voler en métropole euh, je me suis rendu compte que je faisais des PTS tout le temps et j'ai fait un stage avec Delphine Pille il n'y a pas très longtemps et elle m'a vraiment réappris à faire de, de la PT8 parce que c'est des PTU, petits oui. de la PTU pardon, parce que c'est des tout petits terrains et je n'avais pas du tout visualisé ça comme ça et je me rassurais Merci. en faisant des S en voilà. approche des terrains Exactement, etc. Ouais. et des fois tu te, tu te mets mal parce que c'est parce que turbulent, parce que et tu voilà, c'est pas forcément et... la, la, la meilleure solution la PTS. Ouais. Et je sais pas si on verra euh, une de tes vidéos, c'est ah. mais euh, quand le, le fait de faire une PTU permet d'être sur un côté de terrain, sur un côté du terrain, donc ça va permettre jusqu'au dernier moment de pouvoir poser dans un sens ou dans l'autre quand on quand on sait pas trop d'où vient le vent sur un atterrissage, la PTU peut être euh, peut être euh, judicieuse. Euh, parce que s'il y a du vent, mais du vent qui est changeant à l'atterrissage, une fois qu'on s'est mis d'un côté sous le vent, par exemple, à un moment où on décide de se mettre sous le vent, on n'aura plus la possibilité de poser dans l'autre sens, puisqu'on ne peut pas faire le tour du terrain si on est bas. Alors que si on est en PTU sur le côté, on pourra, euh, en faisant le U, le faire ou d'un côté ou de l'autre. Donc ça vous laisse une possibilité supplémentaire euh, dans le choix de, du sens de poser. Donc ça, ça apparaîtra plus tard dans votre pratique solo. Quoi. On va se regarder une petite vidéo qu'on nous a euh, envoyée, que Cyril euh, nous a envoyée, Jérôme. Euh, et Cyril, il a fait un atterrissage un peu long et il s'inquiétait. Euh, le voilà. C'est dans les Pyrénées. Et vas-y, parle, tu peux nous Alors, le commencer. C'est une très grande classique, être trop long ou trop court. Ça va, apporter, ça va aborder plein de sujets, ça. Donc, il pose bien dans le terrain, mais à oh l'extrémité du terrain, à côté de la manchère on en profite pour regarder la manchère ah, et il n'y a pas la de droite. vent. Oh là là. Et il faut se dire que euh, poser sur un terrain d'atterrissage, même s'il est très grand, sans vent, c'est beaucoup plus technique, c'est ce qui est a de plus compliqué, parce que vous allez être confronté à deux choses. Là, il est bras haut, si vous avez vu. Voilà, c'est-à-dire que le début oh le début non. de son final qui est très très long, il est bravo, euh, ah, c'est Philippe, hein, c'est ça Ou Cyril oh C'est Cyril. Euh, il, est trop, il est très long, c'est-à-dire que... Et c'est là où on va commencer à... Voilà, là il est bravo alors qu'il est haut en début de finale. Et donc il va avoir en étant brao les meilleures performances de sa voile, c'est-à-dire une vitesse environ à 35 km heure avec cette oh voile pas loin de 9 de finesse. C'est-à-dire ah, qu'une petite erreur de jugement en oh entrée de terrain peut lui faire une, une petite erreur de jugement au moment où il se met en finale peut lui faire traverser le terrain. Et comme il n'y a pas de vent, eh bien là, il a les performances maximales de sa voile, donc il rend son atterrissage très compliqué. C'est pour ça que ça peut permettre d'aborder oh un thème, c'est quel régime de vol aborder, quel régime de vol utiliser pendant le bloc approche hein, Je ne parle pas de la finale, hein, je parle bien du bloc approche, c'est-à-dire le début de votre PTU, par exemple, euh, vent arrière, étape de base, ou pendant vos S ou vos 8 si vous êtes sous le vent. Donc là, il faut vous demander la question quand vous faites votre approche de quoi vous avez besoin en fait. Vous avez le choix, soit vous avez besoin de beaucoup de performances de voile, beaucoup de finesse, soit est-ce que vous préférez pas avoir un petit peu moins de finesse. C'est plus facile de poser avec une aile à 7 de finesse plutôt qu'avec une aile à 8 de finesse. Donc la question se pose comment je peux dégrader mes performances eh bien, en ralentissant la voile. Le deuxième avantage de voler plus lent en approche, c'est que vous avez plus de temps pour faire les virages, ça défile moins vite. Et n'oubliez pas que vos premiers vols, c'est là où on cumule des choses qui, dev... qui rendent l'atterrissage technique, c'est vous cumulez euh, une aérologie très calme. Donc, vous avez une vitesse sol, si vous voulez bravo, qui va très vite. Donc, c'est compliqué. Si vous ralentissez votre voile, par exemple, les mains au niveau de la poitrine, euh, pour vous donner un repère, hein. ce n'est pas la solution. Mais si vous ralentissez votre voile, au lieu de voler à 35, vous volez à 27, 28 en dessous de 30 km heure, vous allez pouvoir voir les choses euh, venir de manière beaucoup plus lente. Le, le troisième avantage que ça amène de voler en approche avec une vitesse plus lente, c'est que ça va vous permettre d'avoir des rayons de virage un petit peu plus courants. Si vous volez vite bras haut, vos rayons de virage vont être plus grands. Donc ce n'est pas ce dont vous avez besoin en approche, vous avez besoin en approche plutôt de précision de virage, etc et ça amène un petit sujet un petit peu polémique euh, qui est euh, euh, on, voit, on, on entend souvent mais euh, on entend souvent dans, dans vos débuts de progression ne fais pas trop de commandes en approche fait surtout du pilotage select. donc je remets pas en cause ce message des moniteurs qui qui, qui existe dans un contexte très particulier, c'est-à-dire vos premiers vols, et la priorité, on va dire, euh, ce n'est pas trop que vous soyez super bon en approche, mais c'est plutôt que vous ne soyez pas brut sur vos commandes, c'est pour qu'il n'y ait pas de trou de mouvement, de roulis pendant l'approche, parce que vous êtes près du sol, et, euh, et que vous vous éloignez des basses vitesses. On ne sait jamais si vous faites des erreurs, en ayant les mains sous les fesses. Donc, en vous proposant de faire plutôt du pilotage select que... Euh, que du pilotage à la commande, on va se rassurer sur un thème, c'est-à-dire les basses vitesses, le risque de décrochage près du sol, etc. Mais on va augmenter la sécurité euh, au, au, au dépend de la, votre précision d'atterrissage. Donc voilà, le, le, le contexte est là, on est d'accord avec ça. Le, la difficulté va être quand, tu, quand vous allez partir dans votre vie de parapentiste et que vous avez ancré ce message-là, que vous avez ancré cette technique et c'est très classique. Vous allez après changer de voile, changer de terrain, etc. Et on voit des pilotes avec 30, 40, 50 voiles qui n'utilisent pas leurs commandes pendant les approches et qui, exactement comme là, et qui posent toujours trop long, quoi. Pourquoi? Parce qu'ils ont la finesse maximale de leur voile, parce qu'ils volent trop vite. Et donc ça, et ils ont des rayons de virage trop grands, puisqu'ils ne font qu'à la sellette. C'est-à-dire que le, le le message qui a été ancré au niveau de la technique, il doit être nuancé et il doit évoluer. Sinon, vous ne poserez jamais au milieu du terrain. Quoi. Et justement, Jérôme, euh, ah, parce, tu... oui, parce que le contexte a changé. Tu, tu parles de ralentir ta voile, mais alors une question de Arnaud leur dire de ralentir sa voile en finale, n'est-ce pas dangereux pour des débutants Car risque de décrochage, justement mais tu parlais pas de ralentir la voile en finale. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est bien, Seb, tu suis le truc. <laughs> c'est pour ça que j'ai ouais. bien parlé à la fin, euh, au début, en fait, de deux blocs. Là, on est dans le bloc approche. On n'est pas dans le bloc final. C'est-à-dire qu'on est, est bien positionné par le terrain, par rapport au terrain, l'aérologie, les gens, etc. La morphologie du terrain, mais on n'a pas commencé le final. Ça, ça sera un deuxième, un, un, le dernier bloc. C'est-à-dire qu'une fois qu'on décide, de se mettre en finale pour aller poser. Le final, on peut le décomposer, c'est-à-dire que si vous avez un peu de hauteur en début de finale, vous allez vous servir de ce début de finale avec un peu de hauteur pour peaufiner votre angle de planer. Puisque je vous ai dit, c'est mieux de démarrer un petit peu trop tôt votre finale, puisqu'il est plus facile de dégrader sa, sa finesse. Donc quand vous démarrez votre finale, il faut vous poser la question est ce que je vais bien atteindre le point que j'ai choisi bien avant mon point de poser et à ce moment là je peux régler mon angle plané alors quand on dit régler l'angle de plané en général c'est le dégrader. comment on dégrade l'angle de plané avec des parapentes récents, hein, c'est un message qui date de 10 ans parce qu'il y a 20 ans on aurait dit mets toi bras haut euh, là il faut ralentir sa voile donc en début de finale on peut dégrader son angle de plané en mettant, se mettant par exemple main à la poitrine main à mi-frein à peu près et là on va bien passer de 9 de finesse à 6 de finesse et ça ça va rendre les choses beaucoup plus faciles et dans une deuxième partie de finale, c'est là où je rejoins Arnaud, dans une deuxième partie de finale, l'angle de planer n'est plus du tout la priorité. La priorité dans le, la deuxième partie du final devient de construire, de préparer l'atterrissage en lui-même, c'est-à-dire une belle posture, être debout, et préparer l'arrondi, c'est-à-dire préparer le freinage. Et pour que ça, ce soit efficace, il faut que j'ai une reprise de vitesse. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais faire le préambule du départ des blocs pour qu'on parle bien, qu'on ne mélange pas les choses. C'est souvent le cas, on mélange approche et finale. Et c'est sûr que si je vous dis de ralentir votre voile en approche, vous n'allez pas comprendre euh, avec ce qu'on vous dit, mais en final, il faut être bravo, etc. D'accord Voilà, c'est pour ça que je voulais éclaircir. J'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à poser des questions si c'est confus. Voilà, il y a effectivement Octave qui dit oui, mais frein plus gradient égale possibilité de décrochage. Donc euh, oui, voilà. Tout à fait. Et c'est pour ça que rappelez-vous le début de la discussion, s'il faut rééclaircir, on est bien en air calme là, puisque la question, c'était la question de Cyril, quoi, c'était la vidéo de Cyril, on était en air calme et c'était euh, lié aussi à la question euh, liée à Saint-Leu en air calme en début de progression. Donc a, on n'est pas dans du gradient là, d'accord On verra après les incidents de vol et comment, euh, comment les pallier, comment les anticiper, et tu as raison, on reviendra sur la question du gradient, comment gérer un risque de gradient possible hein, possible alors justement, on a quelques questions alors qui touchent le gradient, mais euh, qui touchent exactement ce que tu viens de dire. Euh, on va regarder la question qui était bonjour. Bon... Alors c'est Vincent qui pose une question pour son ami Damien, hein, parce que il doit se, se, se moquer de là, lui. Ouais. ouais, il pose en général très long et notre terrain se termine par des barbelés. bah par des barbelés L'as de s'empaler dedans, il s'est résolu à poser en misty. Tu vas nous expliquer ce que c'est. Quelle est l'efficacité de cette manœuvre en urgence Damien nous fera-t-il encore bien rigoler ou doit-on s'en inquiéter Vincent est un peu moqueur. Oui, il est un peu moqueur. Euh, pff, bien sûr, il ne faut, il faut pas juger, il faut regarder ce qui est intéressant dans, dans, ce, dans ce texte, dans la manière de faire, c'est que on dirait que Damien a mis en place une procédure qui lui permet de pose, poser dans le terrain, mais comme il n'a sûrement pas choisi l'endroit où il veut poser au départ, qui est le milieu du terrain, en fait, toute la, 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 la construction de son approche va toujours se baser. Sûrement visuellement sur le bout du terrain. Donc, c'est pour ça qu'il arrive toujours dans la ligne parce qu'il construit son approche pour arriver au bout dans les barbelés. Donc, il a construit un truc comme ça. Il faudrait voir avec lui comment euh, casser ce, cette procédure, en fait, essayer de faire autre chose. Et donc, il a trouvé une solution comme comme sa précision d'atterrissage est bonne, puisqu'il est toujours dans le barbelé à la fin, donc la construction de son approche est bien par rapport au barbelé. Le truc, c'est que à un mètre près, il pose avant ou il pose dedans. Donc, il s'est trouvé une solution qui est de poser en misty, c'est-à-dire quand il est à un mètre du sol juste avant de poser, il donne un grand coup de frein que d'un côté, sa ça voile, sa ça voile fait un tour de vrille au-dessus de la tête, donc ça arrête net. C'est une manœuvre qu'on qu fait, qui est esthétique en, en, en poser en voltige. On peut faire un, ce qu'on appelle un posé misty donc c'est bien tout ça si est, tout est volontaire mais là j'ai l'impression que le posé missile est devenu une solution pour lui donc il faudrait revoir le début de construction d'approche il y a d'autres solutions par les pilotes qui sont trouvées par les pilotes justement qui n'ont pas choisi de poser euh, qui n'ont pas choisi le point de poser au milieu du terrain c'est de se dire par exemple sur tel terrain si je touche l'arbre avec les pieds ou si je passe très près de l'arbre en entrée de terrain je suis dans le terrain donc toute la construction est basée sur le fait de passer près de l'arbre et non pas d'essayer de poser. Sur le point du milieu de terrain. C'est pour ça qu'on voit toujours des gens qui, qui tapent les arbres, c'est toujours au taquet-taquet, mais c'est un, une technique qu'ils ont trouvé, une solution pour une construction d'approche, parce qu'ils savent que s'ils touchent l'arbre, ils sont, ils sont à peu près, ils sont dans le terrain derrière. Donc ils créent, ils construisent leur approche par rapport à un obstacle et non pas par rapport à un endroit sans obstacle. C'est pour ça que dans un grand terrain comme un stade de foot, voire un très grand terrain comme celui de Cyril, s'il n'y a pas une cible au milieu qui, qui va vous permettre visuellement de construire votre approche, eh bien les yeux vont, vont aller vers où il faut pas aller, c'est-à-dire les obstacles. Il faut il faut il faut une encre visuelle, voilà. Donc il faut vous forcer sur les grands terrains à construire votre approche sur un visuel, sur un point d'aboutissement. C'est pour ça que sur un grand terrain, je pense à celui de Saint-Hilaire, il y a une énorme cible depuis 15 ans et qui permet de construire une approche en fait. Important le, le, le repère, la visualisation de l'endroit précis où on pose. On en reparlera de la précision d'atterrissage. Euh, tu, tu parlais de, la, il y a des, des, euh, des questions sur la vitesse, euh, donc des gens un petit peu inquiets, euh, main à la poitrine. Quand tu disais main à la poitrine, c'est pour obtenir quelle vitesse sol idéalement. Donc euh, voilà, quelqu'un qui doit avoir le, 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 le tachymètre devant les yeux pour regarder à quelle vitesse. Euh, c'est Stéphane et Romain qui posent à quelle vitesse en moyenne une aile a Peut décrocher. Donc il y a des gens inquiets. Alors je poserai la question, toi, qu'est-ce que tu en penses À combien décroche une. Alors il ne faut, il faut pas parler que de vitesse R, hein. on parle de vitesse R. Une, une, une là c'était vitesse e. sol, il euh, y a la vitesse sol, hein. il demandait, la, ah la bah, main à la euh... poitrine. Oui, mais, ah, oui, là je répondais au décrochage. Donc okay. Je vais revenir sur le, la vitesse sol, main à la poitrine. On... Je... La réponse là n'est pas euh, indispensable. On. on, on... Là, on parle bien de. On, on, je remets dans le contexte. On est en air calme, donc vous avez une vitesse sol-brao qui est environ une vitesse air, une vitesse sol-brao qui est environ 35 km/h, c'est qui est très élevé. Si vous avez du vent à environ 10 km/h, peut-être que ça va marcher. Cette, cette vitesse brao, elle va fonctionner puisque ça va réduire votre vitesse sol. D'accord Donc ça va vous rendre. C'est pour ça que les atterrissages avec 10 km/h de vent sont bien plus confortables puisque ça ralentit votre, votre vitesse sol. Et donc, il faut vous dire comment je peux retrouver ce confort quand il n'y a pas de vent. Ben, c'est en ralentissant votre voile. Euh, L'histoire de... Alors, j'ai pas bien compris cette question de, de, de vitesse à la poitrine par rapport à la vitesse sol. C'est moins euh, si à la tu... poitrine, c'est ça. Moins à la poitrine, c'est oui. pour obtenir quelle vitesse Sol idéal. Il ben, la... n'y ben, a pas de vitesse sol idéal. À... C'est une, une, une vitesse de confort qu'il faut... Et, la, et le confort est personnel. Si euh, toi, je ne me rappelle plus son prénom du... Stéphane. Collier, si Stéphane, tu arrives à me faire des approches euh, en étant bras haut tout le temps, euh, et, ben, et que tu poses et que tu fais le carreau, ben, ça te convient cette vitesse. Euh, si par contre tu poses jamais dans le carreau euh, en, en vent nul, je vais, on va discuter ensemble de quelle vitesse tu utilises. Donc peut-être que une vitesse en mettant les mains à la poitrine va te rendre l'approche le, 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 confortable. Donc c'est pour ça que je ne peux pas répondre à cette question euh, quelle est la vitesse sol idéale. C'est celle euh, qui te permet de te, te, te déplacer, qui, qui te permet de poser où tu veux. Tu vois, c'est une, une question de confort et de, et de résultats possible Voilà. c'est Ce que je vous ai dit, mais à la poitrine, c'est une idée. Hein et c'est une idée qui est assez juste en, en air calme hein, quand il n'y a pas de vent. Pour répondre à la deuxième question, est-ce que tu peux me la rappeler, Seb euh, Oui, c'était Romain qui posait la question. Alors, attends, du coup, elle est là. C'était Romain à quelle vitesse en moyenne une aile A peut décrocher Alors. Quand, quand vous volez, en fait, si, si je te donne une vitesse, tu peux la connaître. Il suffit que tu aies un GPS avec toi et tu vas voir environ 22 km/h. Je sais pas, je dis un truc, un ordre de grandeur. Les, les voiles, euh, d'apprendre les, les premières voiles et tout, acceptent, euh, acceptent les basses vitesses, mais c'est pas. Que le fait d'accepter la basse vitesse, c'est aussi d'accepter que tu puisses voler longtemps à cette basse vitesse. Et le, et le troisième point, on en avait parlé sur les, les premiers lives, c'est que tu puisses avoir les mains très basses. Donc, c'est une configuration qui est très compliquée à, à, à faire volontairement parce que je vous rappelle que quand vous êtes en début de progression, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pilotes qui descendent les mains sous la poitrine. Donc là quand on parle de vitesse de décrochage à 20 km heure, il faut avec une voile ENA les mains en dragonne, hein. en plus j'enlève je, 15 cm encore, il faut les mains au niveau des fesses, j'en vois pas beaucoup qui volent comme ça. Avant, avant de rentrer dans une problématique. C'est-à-dire qu'on n'y est pas encore. Je n'aurai pas le même discours. Si vous avez une voile END, une voile de performance, elle n'acceptera pas euh, les mains euh, au niveau des fesses, parce que là, on dépasse les 65 cm de débattement aux commandes. Et surtout, elle n'acceptera pas de voler longtemps à cette basse vitesse. Elle finira par décrocher. Donc, il ne faut pas que tu... Que, que tu Construis son approche ou que tu voles avec une vitesse GPS, il faut que tu voles en fonction d'une vitesse sol que tu, que, que alors en plus, je dis, je dis, une connerie. Il faut pas que tu voles avec une vitesse R, les 22 km heure que je te dis, euh, ni une vitesse sol parce que tu peux être à, à zéro en vitesse sol, c'est-à-dire une vitesse GPS avec les mains à la poitrine. Il suffit qu'il y ait 15, 15, 20 km heure devant de face, hein donc là on parle bien de vitesse R donc ça, ça ne te sert à rien toi de voler avec un instrument qui te donne ta vitesse R. il faut que tu voles en fonction de ta vitesse sol c'est à dire ce que tu vois et en début de progression tu t'as pas besoin d'instrument il faut que tu regardes le sol il faut que tu que tu prennes conscience de ton déplacement si ton déplacement est facile ou pas voilà et c'est comme ça que tu vas régler ta vitesse et, et régler sa vitesse et tout tu es tu seras je peux te le rassurer très loin avec une ENA, des points de décrochage. C'est pour ça, c'est souvent une croyance des diables, on appelle ça, Marc Boyer appelle ça les diables, c'est-à-dire qu'on pense qu'au-dessous au -dessous de la poitrine, c'est l'enfer. Mais après, en stage-perf, le pilotage va démarrer à partir de cette position qui, pour vous, pour certains, est... L'enfer ou devient dramatique, c'est le pilotage commence à ce niveau-là. Commence au niveau de la poitrine, pas fini à la poitrine. Voyez le. Donc vous avez largement de la marge. À la poitrine, on est à peu près à un tiers du débattement. Hein, du et, et Cédric rajoute, c'est sur la vitesse air que l'on décroche et non pas sur la vitesse sol. Tout à fait. Et Olivier rajoute, tant que tu sens l'air sur ton visage, ça va, sinon danger. Est-ce que tu confirmes Voilà. Mais oui, mais tout à fait, c'est très juste ça, il faut le rappeler, mais expérimentez le, vous verrez que, avant d'avoir une très basse vitesse sur le visage qui devient euh, qui fait allumer les lumières oranges, c'est souvent ce qu'on dit, le vent relatif, bien avant vous avez l'effort aux commandes qui est important, et vous avez les mains très basses. Vous voyez, et c'est plutôt, moi, je pense plutôt que ce sont ces deux critères sur lesquels il faut porter attention, parce qu'ils sont bien plus, euh, euh, bien plus présents, bien plus euh, importants au niveau sensation, que le vent sur le visage, c'est plus finot, hein, le vent sur, sur le visage, surtout si c'est un petit peu turbulent, vous allez voir plein de variations, et c'est difficile de trouver ce euh, truc, sauf si vraiment l'air est extrêmement calme, quoi. Voilà. Alors que l'endroit le, le, où se trouvent vos mains et l'effort à fournir dans les commandes, ça c'est des trucs qui sont très flagrants si vous portez l'attention dessus, si vous portez... Euh, si vous prenez conscience de ça, vous allez voir, à chaque live, on parle toujours, prenez conscience de ce que vous faites euh, pour vous rendre compte. Quoi. Et quand on parle de main à la poitrine, pour vous donner une, une précision qui va sûrement vous rassurer, euh, je ne parle pas de main tenue en, en, po en poignée de chiottes, hein, en, en chasse d'eau comme ça. Hein. Je parle de main soit prise en dragonne, c'est-à-dire que j'ai la main qui tient le haut de la poignée, soit demi-tour de frein. Donc ces deux manipes enlèvent encore 15 cm hein, sur votre débattement de commande. Hein. Voilà. Merci Jérôme pour toutes ces précisions hyper techniques, hyper pointues. C'est très intéressant. On a lancé un petit sondage en même temps pendant que tu parlais. Euh, N'hésitez pas à cliquer dessus sur votre écran. Vous avez dû le voir apparaître peut-être en dessous. C'est depuis combien de temps vous suivez ces lives avec euh, avec Jérôme euh, On vous demande de, juste de cliquer si c'est depuis le premier, depuis le second, depuis le troisième, ou si c'est la première fois. Et euh, on vous donnera les résultats euh, tout à l'heure. Et on aura un petit euh, un petit jeu aussi euh, dans quelques minutes euh, avec des questions que va vous poser Jérôme sur, sur les atterrissages. Euh, Jérôme, c'est le grand moment, euh, je me lance, euh, mon... grâce à mon ami Virginie euh, que je remercie encore ici devant tout le monde. Euh, Virginie m'a filmé à La Réunion euh, il y a 5 ans de cela, lorsque je débutais en parapente, et c'est euh, un de... Mon... c'est mon premier en avec une sellette light, après être monté avec toi Jérôme d'ailleurs, mais tu étais loin derrière en haut du piton des neiges, euh, presque à 3000, pour redescendre dans la à Silaos. Et je me suis fait surprendre à l'atéro On va regarder les images. Euh, et c'est des questions qui reviennent, ça d'ailleurs, euh, d'un atterrissage sur le cul et avec un frein totalement inefficace. Euh, voilà l'image. Merci Virginie pour ces images magnifiques. On la je remercie, sais, on la remercie et, remercie et ça l'a fait beaucoup rigoler à chaque fois. De, de... alors je me suis fait très mal au cul euh, et à mon honneur aussi. Euh, voilà et on voit que j'atterris là. Je suis, euh, euh, je suis long, je suis long, je freine. C'est pas ine... c'est pas efficace <laughs> du tout et bam sur le cul <laughs> et là j'ai mal quand même. On l'entend pas se marrer mais euh, elle se marre. Hein. Donc euh, Jérôme, petite analyse de la chose. Alors... <laughs> Peut voir que le, le, le terrain d'atterrissage est, est long hein, donc euh, tu étais plutôt bien placé tu arrives en, en gros en bout de terrain tu as plutôt les mains hautes la voile bouge un petit peu et on voit que là vers euh, voilà ça doit faire à peu près à 5 mètres Ouhouh, ça s'enfonce brutalement alors qu'il n'y a pas de vent c'est pour ça que je voulais vous faire un petit dessin en coupe du terrain ça va vous permettre de comprendre pourquoi Seb s'écrase alors là on peut parler un petit peu de gradient Oui, ouch. Merci euh, Pierre euh, d'avoir dit ouch en commentaire. Ouhou, Alors, est-ce que vous voyez le dessin que j'ai fait Attends, Alors, je vais te mettre le... plein écran. Euh, voilà. Euh, si tu le rapproches un peu de ta caméra. Comme ça. Voilà. Ouais. Alors, ça, c'est le terrain d'atterrissage. Et ici, on voit que le, le terrain d'atterrissage où va poser euh, Seb, cette, cette grande partie là, c'est en coupe, se situe euh, juste. Euh, il faut que je mette ma main de ce côté-là, juste à côté d'une pente ensoleillée qui va générer plutôt de la brise de pente dans ce sens-là. Et donc il va poser, on va dire un petit peu soulevant de cette brise de pente, et on le voit très bien, c'est-à-dire que quand il arrive en finale, il a plutôt un angle de plané, on va dire régulier, euh, à peu près stabilisé, et ça s'enfonce à la fin, simplement dû à, 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 à l'aérologie en fait, à un déclenchement thermique dans la pente qui est sur sa gauche qu'on voit pas, où il y a une grosse rupture de pente sur la gauche. Donc là, à la fin, bim, ça s'enfonce. Et on sent que le frein est, est totalement, est... totalement inefficace là en plus. <laughs> Exactement. Donc on peut dire comment on gère ce truc-là. Alors, en, en connaissance de ce terrain. Quand, alors, c'est pour ça que des fois, quand on passe sur le terrain avant d'aller voler, c'est le truc dont on parle, parce que suivant l'heure à laquelle on va poser sur ce terrain, ce phénomène sera plus ou moins marqué. C'est sûr que si on pose beaucoup plus tôt, une heure, une heure avant, on n'a pas de brise de pente euh, dans la pente qui qui, qui, qui qui est collé à cet atterrissage, donc on va avoir une aérologie plutôt euh, très calme jusqu'au sol. Mais si on pose après avoir volé un peu longtemps ou un petit peu plus tard dans la matinée, on risque d'arriver là-dedans. Donc, comment gérer ça Le truc, c'est de, de s'attendre à le fait qu'on s'enfonce un peu brutalement sur la fin, donc déjà de faire un long final, plutôt un long final. Éviter d'arriver en virage au dernier moment, euh, éviter tout ce qui est wing, mouvement de, de voile, etc. Voler plutôt vite, c'est-à-dire sur la partie haute de la voile, pour emmagasiner de la vitesse, parce que là, c'est pas turbulent, hein, donc on peut emmagasiner de la vitesse. Avoir une posture qui va vous permettre, à la rigueur, d'accepter que vous vous écrasez ou de tomber sur le cul, d'avoir une posture à la rigueur plus dynamique en étant debout, et d'accepter une, une, une descente verticale un peu brutasse. Et pour vous réceptionner sur les jambes ou de courir. Voilà. Euh, voilà comment on peut anticiper ça. Et quand on sent que ça s'enfonce, c'est-à-dire vraiment sur les derniers mètres, pas hésiter à freiner, mais euh, sans attendre du freinage, une belle efficacité. Hein. Voilà. Donc et... c'est plutôt. C'est pour ça que le gradient, on peut que l'anticiper. Par contre, on n'est pas du tout sûr euh, de l'efficacité du résultat du freinage. On peut s'écraser comme des crêpes, quel que soit le pilote. Hein. voilà mmh. Oui, merci Jérôme, quel que soit le pilote, c'est sympa. Et il <laughs> n'y a pas que moi qui prends. Euh, justement fi à euh, m'en demander à quelle hauteur prends tu en, qui en considération le gradient? Ça c'est compliqué la question, oui. Très, très bonne question. Le, le truc, c'est que tu ne peux pas le prévoir à l'avance. Le gradient, c'est quoi Pour l'expliquer très rapidement, C'est qu'il faut qu'il y ait du vent pour qu'il y ait du gradient. Là, il n'y a pas de vent, mais c'est plutôt sous le vent euh, d'une pente. Hein. Maintenant, on va parler du gradient de vent, c'est-à-dire une diminution du vent quand on arrive euh, sur l'atterrissage. Cette diminution du vent est simplement due au frottement au sol. Donc, ce qui fait que plus vous êtes près du sol, moins il y a du vent. Et en montant en hauteur, on va avoir plus de vent. Donc, la question qu'il qu faut se poser, c'est que quand vous, quand vous arrivez là-dedans, là, par exemple en finale, en finale, vous pouvez être assez haut, hein, on peut être à, à 20 mètres, commencer son final, à 30 mètres, on peut être assez haut. Tout dépend à quel moment on va, on va choper le gradient, en fait. À quel moment la voile va rentrer dans le, la diminution de vent. Si la voile rentre dans le gradient environ à une trentaine de mètres, vous allez avoir un enfoncement de la voile et ensuite vous allez avoir beaucoup plus de finesse, en fait vous allez traverser le terrain puisque vous, vous êtes dans une masse d'air avec moins de vent, donc votre finesse sol va s'améliorer. Et donc là, et vous allez ensuite poser normalement. Si vous prenez le gradient beaucoup plus bas, c'est-à-dire à peu près euh, à deux hauteurs de voile, hein, environ une quinzaine de mètres, une, une fois et demie le cône de suspentage, si votre voile rentre dans le gradient à cette hauteur-là, et eh bien quand ça va s'enfoncer, ça peut s'enfoncer jusqu'au sol. D'accord Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire, vous allez le subir. Donc votre démarche, vous en tant que pilote, c'est vous dire, est-ce qu'il y a du vent à l'atterrissage Oui, il y a du vent, il faut, que du, il faut du vent un petit peu soutenu, à hein. 5 km heure, ça ne va pas générer un gros gradient, il faut du vent un petit peu soutenu, 15-20, c'est-à-dire que, que, que vous voyez bien au niveau de votre vitesse sol que... Qu'il y a du vent. Donc il faut vous dire attention, il y a du vent, attention, risque de gradient, mais il n'y a rien d'obligatoire et vous ne savez même pas quand est-ce que vous allez le prendre le gradient si vous le prenez. Donc vous n'allez être qu'en adaptation de ce qui se passe. Et pour vous adapter au mieux à ce qui se passe, il va falloir voler avec un peu plus de vitesse, plutôt en vitesse. Et c'est là où on va mettre une grosse nuance, c'est-à-dire que quand on parle en finale, on parle bien, on est en finale maintenant, hein. quand on parle en finale de vitesse max, il y a un mot qu'il faut rajouter, c'est vitesse max possible. C'est pas vitesse max tout le temps, c'est pas bravo tout le temps, parce que si un jour vous arrivez sur un atterrissage turbulent, en gardant en tête le message du début, vitesse max bravo, si c'est turbulent, vous allez tout vous prendre sur la tête au niveau fermeture. Donc, si c'est très turbulent, la priorité c'est de garder la voile ouverte, donc c'est voler un peu freiné et ça va être le maximum de vitesse possible. Rappelez-vous de ce mot, possible, dans le contexte. Donc, on arrive avec le maximum de, de, de vitesse possible et on se met dans une configuration, une posture corporelle où on peut accepter une descente rapide au niveau du sol. Donc on sort de sa sellette et on va être prêt à absorber une descente rapide. Voilà, voilà comment on, on ne peut que l'anticiper sans du tout savoir ce qui va se passer et s'adapter au dernier moment en fait. Le Jérôme euh, Emmanuel nous dit ⁇ Je me suis déjà posé vent de cul deux fois parce que je suis arrivé trop bas ⁇ Est-ce que est, ça peut être une, ah. euh, une conséquence Alors, une conséquence de quoi de, de, Est-ce que le fait d'arriver trop bas, euh, oui hein. c'est ça Est-ce que ça peut être lié au gradient Est-ce que le fait d'être ah, trop bas, arriver trop bas, ça te fait attirer sur le cul alors, Vent de cul, pardon. Pense... Non, là, je pense que ce que c'est pas lié à l'aérologie. Là, c'est lié plutôt à, je pense, hein, je ne veux pas faire de supposition, mais c'est plutôt lié à ta construction d'approche. Euh, c'est-à-dire que déjà, avoir connaissance du vent qui est à l'atterrissage, si tu arrives vent arrière, euh, peut-être que tu ne savais pas d'où venait le vent. Et si tu savais d'où venait le vent, hein, on va partir sur cette supposition, cette hypothèse, si tu savais d'où venait le vent, c'est-à-dire que pendant ton approche, tu attends trop longtemps pour te dire, allez, j'y vais, ou je fais un essai erreur. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début, l'approche, et vous pouvez voir ça, voir l'état d'esprit d'approche en début de progression, où l'approche est une succession d'essais de vous mettre en finale. Alors, quand vous êtes à 100 mètres sol, si vous mettez en finale, ça va vous sauter aux yeux que vous êtes trop haut. Par contre, quand vous allez être plus bas, de faire toujours cet essai, c'est un essai qui dure pas longtemps, hein. on ne va pas se mettre pendant 30 secondes dans ligne droite pour vérifier où on va. C'est simplement. Enclencher un virage vers le terrain et vous posez la question est-ce que je vais être trop haut ou trop... Haut, ou est-ce que je vais être bien Parce que là, est-ce que je vais être trop ou est-ce que je vais être bien par rapport au point que j'ai choisi Et il faut, voilà, c'est là où je viens sur un autre point il faut se rendre compte de cet angle de planer vers le point où vous devez aller. Et là, je vais vous rajouter un élément, c'est-à-dire que moi, en tant que moniteur ou en tant que pilote, quand je vole, je fais plus ça maintenant, parce que j'ai automatisé le truc et j'arrive à me rendre compte de mon angle de planer face à mon point d'aboutissement en n'y allant pas. C'est-à-dire quand, quand vous faites des S, par exemple, vous êtes perpendiculaire à votre terrain et le moniteur vous dit, moi aussi, hein, quand je suis moniteur, je vous dis, ben, regarde, si par exemple je vais comme ça, le terrain est sur ma droite, je vous dis, ben, tiens, regarde à droite pour voir si ton angle de planée va être bon. Alors, là, il faut me dire comment c'est possible. C'est impossible, en allant dans un sens, d'avoir la vérification de l'angle de plané dans, dans un angle à 90 degrés. Si votre terrain est sur votre droite, vous êtes obligé de faire un quart de tour à droite dans le sens du final pour vous rendre compte de votre plané. Mais le truc, c'est ce que je vous dis. Moi, en tant que pilote euh, autonome et en tant que moniteur, j'ai tendance à. Je ne sais plus comment je fais. Donc, quand quand je m'entraîne pour prendre conscience comment je dois partager euh, cette information, comment je dois l'enseigner, eh bien, pendant mes huit, des fois, je fais un début d'entrée vers le terrain, un début de finale pour me dire, ben voilà, il n'y a que comme ça que je peux me rendre compte de mon angle de plané. Si vous faites pas ça, vous pouvez pas savoir. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Vous faites vos 8, vous êtes toujours perpendiculaire au terrain, vos S ou vos 8, par exemple, et vous allez vous rendre compte beaucoup trop tard quand ça va être flagrant, vous allez être trop court, et vous y allez à ce moment-là, et vous êtes toujours trop court. Voilà. Voilà ce qui se passe, sûrement pour toi, euh, je je me rappelle plus de ton prénom. Voilà. Peut-être que je me trompe, mais c'est une hypothèse qu'on voit régulièrement, hein, ça. Merci Jérôme, euh, j'ai perdu le prénom aussi euh, on va on va revenir sur d'autres questions, on a des vidéos aussi à regarder, une petite analyse euh, Youtube on va prendre encore une question qu'on nous avait posée euh, euh, avant ce live euh, oui. question euh, importante, bonjour j'ai 26 vols et je ne sais, c'est Marion qui nous a écrit, je ne sais toujours pas atterrir sur mes jambes et s'il n'y a pas 10 km heure de vent minimum de face à l'atéros je finis toujours sur les fesses par vent nul mes profs me disent d'accepter le et de me pencher en avant mais rien n'y fait. Sans vent, je me brise les dents. Je précise que je pèse 42 kg et que je suis en spiruline de GT18. Y a-t-il un conseil miracle que vous pouvez me donner Jérôme, on attend le miracle. Alors le, mi bah, Je ne vais pas faire de miracle. Par contre, Marion, je pense que si tu écoutes depuis le début, tu as dû avoir énormément d'infos ou des petits trucs qui t'ont fait percuter sur des choses. Après, au niveau de, de ton PTV et de la voix, le, le choix est bon. Il n'y a pas de, de boulettes par rapport à ça. Il n'y a pas de trucs flagrants au niveau de, on, on va dire, de ton choix de matériel, etc. Il n'y a aucun problème. Euh, tu as 26 vols, donc pas beaucoup de vols. Et tu en es justement au, au moment où tu n'as plus de, de lien radio et tu commences à te rendre compte comment on fait en fait. Donc la, la première truc que je te poserai, c'est euh, euh, ou, ou l'hypothèse que je fais, c'est que tu ne freines pas en fait. C'est pas que tu freines pas, c'est que euh, tu ne freines pas assez en débattement en fait. Donc, ou tu, donc tu freines trop tard, c'est-à-dire que tu finis, tu finis ton freinage alors que tes pieds ont déjà touché le sol. Donc, tu arrives trop vite. Donc, il faut freiner plus tôt. Et il faut aller plus, plus loin que ça. C'est-à-dire, si, si tes moniteurs te disent euh, ⁇ Accepte le sol et tout ⁇ il faudrait rajouter la question. Comment tu vas savoir que tu acceptes le sol, et moi je rajouterai au niveau du freinage, comment tu vas savoir que tu freines, comment tu sais que tu freines en fait. Et là, on va rentrer dans euh, pour toi de l'évocation, tu vas évoquer ton freinage et tu vas, tu, vas te, tu vas dire à voix haute parce que tu vas repenser à tes atterrissages où un seul suffira. Et tu vas te dire, ah ouais, c'est vrai que mes mains s'arrêtent ici parce que je pense qu'il ne faut pas aller plus loin, parce que je pense, peut-être je fais des hypothèses que je risque de décrocher donc, tu vas dire à voix haute et tu vas trouver la solution toute seule. il faut que tu prennes conscience sur ton atterrissage et même pour plus précis que ton atterrissage sur ton freinage, comment tu freines. alors, donc, il faut, va falloir que tu portes l'attention à euh, le, la dureté sur tes commandes. il va falloir que tu portes l'attention sur le débattement de tes commandes. il va falloir que tu portes attention à qu'est-ce que tu regardes en fait et en général. plus on s'approche du sol au moment du freinage, plus le regard se lève. Puisque tu t'angentes le sol, donc plus tu vas regarder loin, en fait. Voilà des petites astuces, ce ne sera pas un miracle. C'est toi ce qui nous dira, tu nous enverras un mail après tes prochains vols si ces petits trucs ont marché en fait. Voilà. Prendre conscience et prendre conscience de comment tu freines et quand tu freines. Voilà. Jérôme, quelqu'un nous dit, Lionel nous dit euh, je suis étonné que Jérôme ne parle pas de la manche à air, c'est quand même un outil essentiel pour le poser. Euh, si, j'en ai parlé au, au début, en, en tenant compte dans la visualisation, la construction, mais je, on va en reparler, tu as raison, il hein, ne faut pas hésiter à... Direction euh, du vent, à, à vitesse, venir, gradient, turbulence. Oui. Voilà, c'est-à-dire que quand, euh, que, quand on, on construit son approche, alors euh, euh, quand on, a, on prend en compte de l'environnement, donc on a parlé des obstacles, et quand j'ai dit de l'aérologie, oui, c'est la direction du vent, et oui, euh, la direction du vent entre guillemets la force aussi vont être données par la manchère les forces du vent sont pas données par les manchères elles hein, sont données euh, soit par une balise météo soit par quelqu'un au sol qui vous dit le vent soit vous qui vous, vous mettez face au vent vous dites là, là ma, ma vitesse sol je, je vis comme ça ma vitesse sol il, doit, il y a pas mal de vent en bas il y en a pas beaucoup ou il y en a pas du tout euh, voilà oui bien sûr la manchère est, est importante ça donne des informations une manchère qui bouge beaucoup par exemple peut donner euh, 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 le type d'aérologie un truc qui est pas du tout établi en bas quoi Bien sûr, bien sûr, la manchère. Mais euh, il, faut, il faut aussi, quand vous êtes pilote autonome, vous allez commencer à crosser ou arriver sur des terrains que vous ne connaissez pas, se vacher ou pas, ou une manchère qui n'est pas là parce qu'il y a eu la tempête la nuit et le matin il n'y a pas de manchère. Il faut, il faut bien prendre des informations autres que la manchère. Et Jean-Marc nous dit, ma cible, euh, peut-être une astuce, ma cible s'éloigne, je suis trop court, ma cible se rapproche, je suis trop long. Tout à technique. fait. Mais ça, voilà, exactement. Mais la question, c'est ça, ça. On, on commence à percuter là-dessus quand on a énormément de vols, c'est-à-dire quand on commence. Euh, c'est est ça qui est, qui, est, qui est difficile en approche et qu'on commence à percuter là-dessus quand on en a plus besoin en fait. Quand c'est quand quand le fait que la cible monte ou quand la cible descend dans son champ visuel, quand on commence à, à être capable de voir ça, et eh ben, on n'en a plus besoin de le voir. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est compliqué de l'intégrer en début de vol. Quand on a 10 vols, tu dis à quelqu'un, ta cible monte, ta cible descend. Wow Moi, je trouve ça extrêmement compliqué pour, pour, pour le visualiser. Et pour le visualiser, il faut bien être en finale. Voilà. Donc on le voit peut-être au dernier moment. Quoi. Ah merde, je suis trop long. bah ben oui, tu regardes ta cible. Tu es en train de passer au-dessus. Tu vas passer au-dessus de ta cible. La cible va te passer sous les pieds. Donc c'est je trouve ça compliqué à, à assimiler. Mais c'est très juste. C'est très juste. Jérôme, on va regarder un petit extrait euh, sur YouTube d'un atterrissage qui est particulièrement euh, turbulent. Tu vas pouvoir nous en dire quelques mots. Ça représente bien ce que peuvent vivre euh, les pilotes. Je peux, je peux parler de Bien ce... sûr, on t'écoute. Alors, il, il faut voir, l'environnement est super important. Regardez le terrain, c'est un triangle. Et, et le gars, le pilote, va faire son approche en début de terrain, donc dans la, dans la partie étroite du triangle, dans la pointe du triangle. Donc ça, premier truc super technique. Deuxième truc, euh, les, les obstacles sont très hauts de chaque côté. Donc comme il est en PTS ou PT8, il, il, est, il, il va être un peu coincé à un moment. Donc ça, ça rend l'approche encore plus technique. Le troisième point technique, c'est que le terrain est en pente, en plus. Donc, s'il s'aligne trop tôt, ben, il, va, il, va, il va faire 500 mètres. Quoi. Donc là, on a un cumul de, de choses qui paraissent euh, simples ou, ou, ou basiques ou pas importantes, mais qui rendent l'approche très technique. Et c'est turbulent, hein, que, il y a beaucoup de vent, beaucoup et de turbulence. Ça bouge, voilà, les arbres bougent, et un peu plus loin, on voit, suivant l'image, on arrive à avoir une manchère. Le vent vient un, un petit peu de sa droite, en fait, et remonte vers lui, là. Et là, il fait du euh, slalom. Hein. Dans, dans, dans ce goulet. Donc, il est obligé de slalomer. Donc, ça permet aussi de revenir sur le truc d'avance c'est que là, le gars, s'il fait que du pilotage chez Let's, eh ben il risque de poser sur la route là-bas au milieu des baraques. Il est obligé de ralentir sa voile et d'utiliser ses commandes, c'est-à-dire de tourner le volant pour pouvoir faire des 8 prononcés pour ne pas avancer sur son terrain. Donc, cette petite vidéo, c'est important de la regarder et vous allez voir, il y a énormément de trucs euh, compliqués sur le choix sur le, la technique d'approche. Donc la question c'est, est-ce que le pilote aurait pu faire autrement Alors oui, peut-être il aurait pu faire autrement, c'est-à-dire au lieu de choisir euh, une PTS dans, dans, le, on va dire, dans le côté pointu du, du triangle, peut-être qu'en s'éloignant énormément vers les parties les plus dégagées, il aurait peut-être enclenché... C'est-à-dire aller carrément vers les baraques là-bas, vers la route. Peut-être qu'il aurait pu enclencher une PTU en fait. Ça lui aurait permis de faire moins de virages près du sol et des virages engagés. Voilà, c'est c'est. Je connais pas le terrain. Hein. C'est une idée que je me dis. J'aurais peut-être pas abordé le terrain comme ça. Est-ce qu'on fait des oreilles là, Jérôme, dans ces cas-là, quand c'est turbulent comme ça, qu'on qu a du mal à se poser et que ça, y a des bulles et, euh, et que c'est turbulent. Alors. C'est une bonne question, c'est-à-dire que le, la question c'est si vous devez faire les oreilles avec le type de pilotage et le type de virage nécessaire là, euh, non, c'est trop chaud puisque la meilleure précision sera plutôt voile ouverte avec les commandes et vous avez besoin de débattement pour tourner là. Si vous faites les oreilles, vous pouvez faire que du pilotage sellette et si vous faites du pilotage sellette prononcé. Euh, si vous faites du pilotage avec la voile fermée aux oreilles avec la sellette, vous allez avoir beaucoup de roulis en fait. Donc c'est super, euh, on va dire inconfortable près du sol. Donc la, la meilleure technique c'est bien de faire du pilotage voile euh, voile ouverte aux commandes. Par contre après, si quand il décide de se mettre en finale, s'il voit qu'il est beaucoup trop long dans le terrain en pente, oui sur la ligne droite il pourrait faire par exemple place, il est beaucoup trop haut à la rigueur faire une paire d'oreilles ou voire même qu'une seule pour dégrader sa finesse. Et regardez dans le sens dans lequel il pose, il pose dans un terrain très très long. Donc peut-être que la PTU était judicieuse euh, sur ce terrain, vu la, vu la morphologie du terrain. Quoi. Et quelqu'un nous demande où poser vent de côté ah. Eric, pose, alors, pose cette question. Oui. Euh, la, la, alors, si, alors on va tourner la, la question différemment c'est si le vent ne vient pas. Euh, le vent qui est au sol ne vient pas dans l'axe de la longueur du terrain, comment on fait en fait C'est peut-être ça, hein. j'essaye de, de tourner la, la question autrement. Euh, C'est exactement, par exemple, sur Wingmaster, je pose souvent à Saint-Leu, et à Saint-Leu, on a souvent la longueur de la plage, le vent ne vient jamais dans la longueur de la plage, ça serait trop facile. Donc, euh, on va dire que ça va dépendre de la force du vent. Plus le vent va être fort, plus on va en tenir compte en fait, c'est-à-dire qu'on peut carrément créer son approche. En fonction du vent et non plus en fonction du terrain. Si le vent est juste travers mais pas trop fort, on va, on, le, la morphologie du terrain va donner le type d'approche qu'on va faire. C'est-à-dire que, que si on a un grand rectangle, on va faire une PTU par exemple, et le, et le, le vent travers va commencer, on va commencer à tenir compte du vent travers vraiment à la fin en finale alors soit pendant le final on va commencer à s'orienter un peu face au vent soit carrément au moment de l'arrondi on peut faire un freinage euh, dissymétrique c'est à dire qu'on va freiner plus côté au vent pour que la voile se mette face au vent pendant le freinage et pour permettre un affalement de la voile dans le dos et non pas sur le côté voilà je ne sais pas si j'ai répondu aux questions donc il faut on, on prend la force du vent va faire va faire si on en tient compte ou pas donc il faut mixer topographie et aérologie. Il y a toujours deux thèmes à prendre en compte sur un atterrissage. Ce n'est pas que le vent ou que la topographie. Souvent, les... en tant que pilote, on a tendance, en début de progression, à ne s'occuper que de la morphologie du terrain, sa forme, et non pas de l'aérologie. Alors quand le vent va bien dans les axes des grandes longueurs, ça va bien. Par contre, quand les vents ne sont pas dans les grandes longueurs de terrain, ça met un bazar. Donc il faut bien tenir compte des deux. Topographie Alors, et aérologie. justement en parlant de, de peut-être d'aérologie euh, pure j'allais dire là on a un atterrissage à Doussard euh, Jérôme que tu vas et pouvoir nous, nous commenter avec du vent euh, qui d'un seul coup devient hyper fort là le, le pilote voilà. disait 42 si km/h de un, vent un, hein. voilà. si tu peux faire un arrêt sur image ouais hop voilà. un petit arrêt sur image euh, voilà. Alors, c'est juste pour que. Vous, Rappelez-vous, le contexte est toujours important. C'est pour ça que quand vous regardez les vidéos, des fois, il faut faire pause et vous regardez ce qui se passe. Donc là, l'analyse qu'on en fait, c'est que voilà, c'est le. Vous connaissez, c'est pas mal de pilotes, je pense, connaissent ça. C'est le lac d'Annecy, c'est à Doussard. Le terrain là est dans le dos du pilote, hein, donc il est bien au vent du terrain et euh, le vent est assez fort, c'est-à-dire qu'il avance pas beaucoup, mais il avance encore. Euh, je pense pas avoir 40, peut-être que ça a forci. Donc, mais il ne recule pas encore. Hein. S'il y avait 40, il, il serait déjà en train de reculer. Donc là, il est bien au vent du terrain. Vous allez voir, voilà, la vidéo va tourner. Il va tourner sa tête à gauche. Et si tu peux faire un arrêt sur image, c'est pour qu'on puisse voir euh, sur la pause le terrain d'atterrissage. Oui, dès qu'il... Voilà, pour, il, voilà là, il est en train de regarder. Voilà, Il reste au vent, là. Il attend. Et à un moment, il va décider de, il va décider de son approche. On attend voilà. encore un petit peu. Peu. Le ouais, terrain est là, un petit peu. encore un ouais, petit peu, encore un peu, plus derrière, ouais, ouais. Attends, je vais avancer un peu. Ça c'est important, voilà. voilà, top, voilà, arrête là, voilà. Donc là, vous regardez, le terrain est bien, euh, il va y aller, vent arrière sur ce terrain, et le terrain est délimité. Vous avez un énorme bâtiment là sur la gauche, blanc là, et, et le terrain est délimité par une route à gauche, et c'est à droite du bâtiment, c'est le grand champ qui est à droite là. Donc, on peut dire que le gars est super bien placé. Donc, voilà, il part vent arrière. Là. Donc, là, la vitesse sol est super importante. Et donc, il part sur une PTU main droite. Et si vous êtes attentif, vous voyez des voiles qui gonflent dans le terrain. D'accord Donc, il y a moins de 40. Parce que gonfler dans du 40, à moins que ce soit des petites voiles, ça doit envoyer. Et là, il part vent arrière. Donc, il est toujours bien placé, toujours au vent. Le terrain est sur sa droite. Et il continue. Il continue. Il est bras haut je crois. Il est bravo. Voilà, il continue, là il voit le terrain qui est sur sa droite, il passe le bâtiment, donc il est toujours le ter... il, est toujours, euh, il est toujours dans la zone du terrain, on voit bien le... la délimitation du terrain. Et là il commence à se mettre face au vent en fait. Mais comme il est vent arrière et que le vent est fort, quand il attaque son virage, en fait, ça, déjà ça le fait vachement dériver par rapport au terrain. Et le vent il est un peu plus fort en bas que ce qu'il avait. Donc là, il, je crois qu'il se met à accélérer. On va voir. Je me rappelle plus ce qu'il fait. Donc il se dit, ben bah, merde, j'avance pas beaucoup. Euh, non, il accélère toujours pas. Il se demande euh, s'il euh, va prendre les oreilles euh, là. Il veut, il veut faire les oreilles ou pas. Ouais. Donc il les fait pas. Et on va voir. Je crois qu'il accélère. Donc là, le terrain maintenant, il est sous le vent du terrain, d'accord Il avance pas. Il est sous le vent du terrain. Ça y est, on l'a vu prendre l'accélérateur avec donc, les pieds. Voilà. Donc là, il a pris l'accélérateur. Euh, voilà, et puis il se rend compte, là, il est en train de se rendre compte que le terrain il va pas du tout euh, l'atteindre, donc il va commencer à regarder. Voilà, il regarde à gauche et en se disant, mais merde, euh, est-ce que j'ai des terrains Même celui qui est sur sa droite, on un... reculer là. Là, il recule et là, on est et en il face au terrain. Il recule. Ouais. alors euh, quand on recule comme ça, il faut, il faut, il faut prendre du recul. Hein. On sait pas dans quel régime de vol il va parce qu'il suffit qu'il y ait du frein. Hein, si, qu'il si, qu ait les mains aux épaules, il perd 5-6 km heure donc euh, il n'avance pas du tout, voire il recule. Donc là, regardez ce qu'il a derrière lui, hein, c'est chaud patate quoi. Hein. Donc il a un terrain sur sa droite là, mais qui passe très vite, il l'abandonne. Il a un terrain là sur sa gauche qui serait possible dans les baraques et il décide de traverser le bled vent-arrière. Et vous avez vu, il n'est pas haut du tout. On va en reparler après. Donc là, il prend une. On a un terrain sur la gauche, là, un grand terrain en U. Donc il décide d'aller très loin dans, après les maisons dans ces grands terrains dégagés. Donc là il prend le il prend quand même un risque au niveau aérologique, c'est s'il est bas, il peut se prendre des grosses turbulences, hein, s'il y a 35-40 vent et il prend aussi le risque de ne pas avoir le temps de faire un demi-tour pour se mettre face au vent. Hein. Voilà, mais il, 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 il attaque son virage là et il finit bien euh, face au vent, euh, dans le gradient, donc à la fin il avance en fait, vous allez voir, il se met à avancer, donc c'est pas turbulent, mais il se met à bien avancer, puis il pose devant les arbres. Puis là, il est protégé donc, par est les fait... maisons, les arbres aussi. Hein. Voilà, donc il rentre dans une ouais. couche où le vent est moins fort en basse couche, mais finalement qui n'est pas trop turbulente, heureusement. Donc il, il arrive à avancer, euh, voilà. Donc ce qui est intéressant de, alors là c'est pas fini puisque son vol va finir quand il aura affalé la voile. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au départ, ce pilote était plutôt bien placé, mais il est parti vent arrière et, et c'est là il faudrait discuter avec lui pour lui dire, mais euh, est-ce qu'il a fait une approche Topographique, une PTU topographique, c'est-à-dire en longeant les bordures de terrain, mais sans tenir compte de ce vent euh, dont il avait pris conscience au début de son approche. C'est ça, donc il n'en a pas tenu compte pendant son approche, sûrement. Donc il a été au bout du terrain, il a commencé son virage et là il s'aperçoit que c'est trop tard. Vous voyez donc l'anticipation, c'est bien, le... là ça permet de voir euh, le placement et surtout après tenir compte de du... la topographie du terrain pour la forme de l'approche et, euh, et l'aérologie la levant fort et sur ce terrain euh, c'est peut-être plus confortable il a choisi de faire la petite main droite ça aurait été peut-être plus confortable de le faire main gauche parce qu'il avait plus de champ autour de lui main gauche voilà à ça Très intéressant cette, euh, cette euh, ces circonstances là hein, et euh, on peut se faire piéger rapidement. Et il faut vite prendre une décision hein, et c'est voilà. aussi euh, euh, j'allais dire la, la, la réaction mentale du pilote. Tu, tu en parles dans un des chapitres de Wingmaster ouais. sur le fait qu'à un moment quand il y a du stress le cerveau peut disjoncter et que qu'on ne voilà, sait plus quoi fait, faire. Quoi, on prend plus les bonnes on décisions. On rentre dans, dans un espèce de mode automatique. On n'arrive plus à à mettre en place euh, un espèce de, 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 de procédure, de protocole. Et c'est là où on peut avoir euh, euh, quelques petites astuces euh, en PM, comme la respiration. C'est-à-dire, au moment où il est au vent, le gars, euh, quand il est encore bien placé et tout, là, il n'y euh, a, y a, y a aucune urgence à ce moment-là. Il pourrait faire, euh, j'en ai parlé sur un live précédent, la technique des 3R, c'est-à-dire respirer. Ça va lui permettre d'être en situation de réfléchir euh, de manière plus sereine. Et ensuite, après cette ces quelques respirations et la réflexion, de, de mettre en place le euh, de mettre en place en action rebondir ça ça, ça son, son approche, en fait, en étant un peu plus serein. Là, il rentre dans un espèce d'entonnoir où il y va, il y va, puis on verra bien. Et on le sent, parce qu'à un moment, il va pour prendre les freins, et puis oui, non, voilà. et il, on sent il que c'est. Il veut essayer euh, de faire les oreilles, ouais, on il, sent voilà, il, y a il du stress. Il sait plus trop, euh, voilà. Mais il gère quand même bien la fin, en prenant, en prenant quand même le risque de, de prendre, de choisir de traverser tout le bled. Il y a, il, là, il y a plus d'un kilomètre, hein, je pense. Hein, avec beaucoup de baraques et, et rien, euh, de champ, quoi. Et euh, Stéphane nous dit pour info la PTU main gauche est réservée au Delta à Doussard. Mais bon, il était plus sur le terrain là. Hein. À la rigueur, il était, oui, mais la PTU main gauche est de l'autre côté, il ouais. est réservé au Delta, mais à la rigueur, là, il n'y a pas de Delta, il n'y a personne. Donc, il peut faire, euh, il peut faire la PTU main gauche. Hein. Quand on, quand, voilà, sachez que quand il y a des, il faut savoir dans quel cadre on met, on, on propose des approches. Ça peut être des cadres réglementaires comme le survol de, de maisons, par exemple. On dit non, tu ne fais pas l'approche là parce que ça survole des maisons. Ça peut être pour permettre, euh, quand il y a beaucoup de monde, de créer un, 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 un J'allais dire un, un cercle, pas un cercle, mais un chemin d'approche pour, euh, pour que ça mette pas le bazar entre les pilotes. Et là, c'est entre parapente et delta. voilà Il y a un choix d'approche. Donc, pété humain droite, là, c'était normal. Mais comme il n'y avait pas de delta, à la rigueur, il aurait pu faire une pété humain gauche. Voilà. Jérôme à 19h15 en direct euh, dans ce live euh, numéro 4 je te propose de, de regarder une des techniques que tu proposes dans Wingmaster on n'en a pas encore ouais. parlé et puis on va pouvoir euh, aborder les techniques cette fois de, 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 de mise en finale puisqu'on a parlé des approches ouais. euh, on a parlé de toutes ces circonstances euh, et des approches délicates on verra après d'autres incidents euh, je te propose de regarder une euh, l'atterrissage aux oreilles euh, que tu euh, que tu montres dans Wingmaster c'est euh, euh, on connaît la on sait faire des oreilles pour faire des descentes rapides, on sait souvent faire des oreilles pour les approches, pour s'espacer, se, pour se, mais on peut aussi attirer aux oreilles. Euh, souvent, les, les jeunes pilotes sont inquiets de savoir comment ça fonctionne. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a proposé sur ce, sur ce truc c'est comment on pose, que, quoi, comment on utilise les oreilles sur les deux blocs finaux, c'est-à-dire l'approche et le final. Donc là, sur l'exemple le, qu'on va voir, les images qu'on va voir, c'est bien. Euh, l'approche aux oreilles, c'est-à-dire les premiers virages, et ensuite le final et le poser aux oreilles. Et on répondra aux questions après où je ramènerai des informations. On regarde ça. Donc là, je vais faire les oreilles, ça va me permettre de m'étager, de descendre un peu plus vite. Donc commande en bracelet, et je fais les oreilles. Je vais finir mes derniers virages à la sellette donc j'ai intérêt à ne pas avoir besoin à faire beaucoup de sellette et ne pas être trop près de, du terrain. voilà pour que mon final soit le plus long possible. à partir de là j'ai deux techniques soit je les réouvre maintenant et je fais un final voile ouvert soit je garde mes oreilles jusqu'à l'atterrissage et pour l'atterrissage bien sûr je devrais relâcher les oreilles pour pouvoir faire un freinage complet. donc je sors ma sellette un petit peu plus tôt je garde mes oreilles, je suis une attitude corporelle penchée vers l'avant. J'ai un angle déplané qui n'est pas très bon. Voilà, je les garde. Je commence mon arrondi plus tôt, je freine à fond. Et voilà. Et en fait, l'arrondi va me permettre de réouvrir ma voix. Jérôme très simple de poser aux oreilles, apparemment. C'est efficace, simple. Alors Là, on va on va remettre dans le contexte. On est dans une il y a personne, il y a une aérologie très calme, donc ce qui permet de, de bien décomposer le mouvement, de pouvoir bien le montrer. Si l'aérologie est super turbulente, beaucoup de vent, etc., c'est ça ressemble, ça serait un petit peu plus agité. Ce, qui, ce que je je souhaitais montrer dans ça, c'est bien ce qu'on peut faire peut faire euh, la construction de l'approche, le bloc approche aux oreilles. Et là, euh, au départ, je voulais pas le faire, mais ça m'a permis de m'étager avec d'autres pilotes, en fait. Donc j'en ai profité de faire mes premiers S aux oreilles. Donc là, c'est les oreilles avec le kit oreille. On garde les commandes en dragon, euh, en bracelet, dragon, comme vous, comme vous le souhaitez. Et le pilotage se fait aux oreilles, se fait euh, à la sellette uniquement. Et ça me permet, ça, de, de vous proposer une phrase, en fait. Euh, de revenir sur les, 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 la technique d'approche et les régimes de vol. Euh, <coughs> pour ceux qui sont assez sceptiques sur ce que je vous ai dit au, au fait qu'il vaut mieux piloter aux commandes qu'à la sellette en approche, le, le test est très simple. Faites-vous une approche sur votre terrain que vous connaissez bien, vous faites une approche en ne touchant pas les freins, qu'à la sellette. Et vous m'en reparlerez, vous allez voir comme c'est très compliqué. Donc vous allez vite avoir besoin de vos commandes. Donc c'est un exercice qu'on fait aux gens, euh, par exemple sur des, sur des vols tests pour des, des moniteurs, etc. Des fois on leur dit, ben voilà, as, tu dois faire trois virages sans commande avant de poser. Voilà. Euh, donc c'est plutôt technique. L'autre point aussi qui est important sur les approches, c'est d'essayer de faire le moins de virages possible en quantité. Si vous faites une succession de virages exactement comme la vidéo d'avant du gars qui fait plein de S, c'est super compliqué. Donc il faut essayer d'en faire le moins possible. Donc pour faire des virages le moins possible, il faut il faut avoir un placement par rapport au terrain qui prend un petit peu le large. Quoi. Voilà. Donc faire le moins de virages possible. utiliser vos commandes. Ensuite, à la fin de l'approche, là, à la fin du bloc approche, je me mets en finale. J'ai toujours les oreilles. Et là, c'est la question de le poser aux oreilles. C'est là où les mots sont précis. C'est-à-dire que je garde les oreilles jusqu'au début de l'arrondi, c'est-à-dire jusqu'au moment où je freine ma voile pour poser. Il y a un truc qu'il faut pas faire, c'est soit je réouvre mes oreilles, je le dis dans la vidéo, soit je réouvre mes oreilles vraiment au début du final, parce qu'il faut que je lâche et peut-être que je freine, etc. Donc ça va créer des mouvements de tangage de la voile et avant que la voile se restabilise, il me faut un petit moment. Et ensuite, je pose voile ouverte. Et là, j'ai décidé. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'on peut poser avec les oreilles. Donc, on garde les oreilles jusqu'au bout. Et au moment du freinage final, qui apparaît un petit peu plus tôt, je lâche le kit oreille et je fais mon freinage comme d'habitude, profond, parce que là, il n'y a pas de vent du tout. Donc, il faut que je fasse un freinage complet, très profond. Et le freinage réouvre les oreilles. C'est-à-dire que là, on n'est pas, euh, il n'y a pas de priorité pour la réouverture des oreilles. On s'en fout complètement de la, de la, que la voile soit fermée ou qu'elle se réouvre. On ne fait pas d'action pour ça. Là, la priorité est de poser doucement. Euh, Amel nous dit on peut poser aussi avec une seule oreille Tout à fait. Euh... On peut poser en finale, on, on se fait on met une seule oreille, ça permet de, de dégrader un petit peu son angle de planer facilement, c'est facile à faire, on pilote très bien avec euh, la commande extérieure. Et, et de quel côté la faire, et bien si, si vous êtes un petit malin, il suffit juste de se poser la question, des fois on a un côté euh, on a un côté qui gênera moins si on a besoin de piloter de l'autre côté en fait. Il faut que le le côté où on doit piloter doit se faire à la commande, plutôt que c'est l'aide côté oreille. Voilà. Et on peut garder l'oreille jusqu'au posé, la réouvrir avant, tout à fait, c'est possible. Oui. Et François qui demande, atéro à 50 mètres sol par vent fort, je m'aperçois je que je risque d'être court, est-ce que j'utilise l'accélérateur ou, ou, ou oreille Alors, euh, donc là, si tu t'aperçois que tu vas être trop court... On ne va pas refaire le, le film à l'envers, c'est comment ça se fait que tu te retrouves dans cette situation-là. Hein Mais c'est un autre sujet, ça. Donc là, tu dois t'adapter à la situation, euh, trop court, euh, voile. Donc après, ça va dépendre de ton expérience, ça va dépendre de l'aérologie. Je dirais que si tu es à 50 mètres, je vais dire pour moi, tu as encore de la marge tu peux utiliser ton accélérateur. Quand on utilise son accélérateur, ce n'est pas obligatoirement à fond. Hein, on peut se mettre à moitié d'accélérateur, etc. Euh, plus on va se rapprocher... Si l'aérologie est très turbulente, la méfiate avec l'accélérateur près du sol, hein, il faut... Si tu es trop court, eh ben, la priorité sera de poser voile ouverte doucement où tu vas poser. Et, et peut-être pas d'arriver sur le, sur le terrain d'atterrissage avec le risque de, de prendre la voile sur la figure. Euh, voilà. Euh, ensuite... Euh, avec la connaissance de ta voile, faire des petites oreilles et accélérer, ça peut être aussi une solution. Mais euh, si tu es trop court, peut-être faire les oreilles, ça va te faire descendre. Donc, ce n'est pas, pas sûr que ça te fasse avancer. Tu vois donc, c'est euh, difficile de, de répondre juste comme ça parce que je, euh, je suis pas sur le même terrain que toi en même temps que toi. Donc, euh, je sais pas l'idéal. Il faut demander ce dont tu as besoin à ce moment-là. Et suivant ton expérience et l'aérologie, tu pourras utiliser l'accélérateur. Sinon, tu restes comme ça. Guillaume nous demandait, euh, alors c'est une question qui date euh, de tout à l'heure, mais euh, il doit être encore là, Guillaume à nous écouter, comment gérer un posé avec une cravate euh, Tu vois, on, on a décollé ouais. avec une cravate, ouais. on s'en est pas rendu compte. Faut-il faire l'oreille opposée pour être symétrique Ou piloter aux arrières pour ne pas trop freiner puisque l'incidence est déjà grande Alors, euh, déjà, euh, si tu dis ça, ça veut dire que c'est une petite cravate. Puisque as, si tu vas poser avec la cravate, c'est-à-dire que tu as déjà décollé et que finalement ton, ta voile est pilotable avec la cravate, tu n'as pas réussi à la défaire. Donc il faut piloter simplement, euh, ton vol va se faire sûrement avec un transfert de poids permanent côté opposé, puis après tout se faire la commande, hein. euh, Commande quand je dis commande, commande opposée. C'est toujours pareil, vous avez la marge. Si ta voile décroche, alors le, le truc, il faut voir le contexte, si, si, si tu ta voile est pilotable, comme tu dis, puisque tu vas poser, la cravate est petite, donc tu as, as vraiment la marge au niveau de ton débattement côté ouvert. Si tu si as un risque dès que tu appuies sur la commande opposée à la cravate de décrocher, je ne dis pas le début du vol, euh, tu ne serais pas de poser la question euh, est-ce que tu vas poser ou pas Ça serait ça serait plus un gros incident de vol. Donc oui, tu peux utiliser la commande. Faire une oreille de l'autre côté, ça va rien faire du tout. Ça va plutôt t'empêcher de piloter. quoi. N'oubliez pas qu'un pilotage à la sellette aux oreilles une oreille d'un côté, une cravate de l'autre, c'est d'une inefficacité, euh, voilà. Donc Merci. il faut tu auras plus de précision à la commande, etc. Alors après, bien sûr, si le but c'est que de faire une ligne droite, euh, peut être qu'une oreille à l'opposé va te permettre de, de garder ton cap, mais il faut utiliser la sellette et la commande, bien sûr, je pense oui. Jérôme, on a parlé des oreilles, il y avait des questions euh, sur ça et c'est un thème que tu voulais aborder également. Le thème euh, ô combien euh, délicat pour euh, certains euh, pilotes et certains, euh, certains euh, moniteurs, le pumping. Alors, euh, oui. euh, le pumping, qu'est-ce que c'est Comment on l'utilise euh, À quoi ça sert Et <laughs> est-ce qu'il est qu faut l'utiliser Alors, euh, ça... Alors, déjà, qu'est-ce que c'est Le pumping, ça va être d'utiliser... Euh, on va dire les deux tiers du débattement des commandes de manière euh, rapide et vraiment sur tout le débattement. Le point qui est important, c'est tout le débattement, c'est-à-dire relever les mains au, au maximum, re remettre bras haut, freiner très vite, remonter et remonter les mains, les freiner. C'est symétrique en fait et donc ça, ça ressemble à, à pomper comme ça. Alors à quoi ça sert Ça va servir à, à, à ce que la voile garde de la vitesse, en fait de la vitesse R. Au niveau aérodynamique mais ça va euh, arrêter la vitesse sol en fait et alors s'il y a beaucoup de vent ça sert pas à grand chose puisque vous pouvez régler votre vitesse sol s'il y a du vent simplement en freinant symétriquement par contre s'il n'y a pas de vent du tout euh, ça peut vous permettre de casser votre finesse en fait voilà donc ça vous alors c'est une technique quand est-ce qu'on utilise ça on va voir euh, on va voir une vidéo de d'un pilote bgd qui repose au décollage avec un pumping qui est assez radical assez violent et tout mais très sain en fait et efficace. Tu, tu veux l'envoyer maintenant Ça y est, c'est parti. Voilà, donc regardez le pomping. On a les mains qui descendent au niveau des fesses et elles remontent, euh, elles remontent au niveau vraiment... Si vous regardez le bord de fuite, il est relâché complètement à chaque fois. Alors là, pourquoi c'est assez radical Parce qu'il essaye de reposer sur un décollage, donc il est dans une ascendance sûrement, avec du vent. Donc s'il continue, il va revoler, donc il va, il va choquer sa voile, il va utiliser le pumping pour poser et ensuite affaler sa voile en se retournant face à elle. Donc là, on dit que c'est un pumping assez radical, mais qui est très sain, qui est impressionnant, mais très sain. Alors pourquoi il utilise cette méthode-là Parce que peut-être c'est un, un décollage où il ne peut pas arriver soit par derrière, parce qu'il y a trop de turbulence, il faudrait qu'il arrive bas, soit par devant, si le décollage est trop étroit. Donc à chaque fois qu'il se présenterait sur le décollage, il remonterait, donc compliqué. Donc le truc là ce qu'il a choisi de faire, c'est d'être au-dessus du décollage à peine derrière et de casser sa finesse, c'est-à-dire d'essayer de provoquer une descente verticale. L'avantage du pumping dans cette configuration-là, c'est d'éviter de rester à basse vitesse. Parce que si on reste à basse vitesse, c'est-à-dire des mains assez statiques au niveau des hanches, oui, on ne va pas avancer, mais s'il prend du gradient, une turbulence, il finit en décrochage. Et on va rebondir là-dessus. Donc ça, c'est pour vous montrer, on va vous montrer un autre pumping-là. Alors ce pumping-là était plutôt très radical, impressionnant, mais très sain et très bien fait. Et maintenant on va voir un pomping qui est très doux, très gentil, mais euh, vous allez voir le résultat. Donc là le ce contexte là c'est quelqu'un qui est en, en précision, en compétition de précision d'atterrissage. Euh, c'est pas lui, euh, Seb. Ah, pardon, je pensais que tu voulais non montrer celui-là qui est réussi. Pu, on va Des... montrer celui-là qui est réussi. Bingo. Voilà. Donc, alors là, c est, c est pas... Euh, celui-là, c'est Sam qui est en précision d'atterrissage sur un championnat de France euh, PA. Donc, le pomping qu'il utilise, c'est au début, il est très haut. Donc, il va utiliser le pomping plutôt pour casser son angle de planer, Pour ensuite, quand il se sent à la bonne hauteur, faire un plané sans pomping sur le, le point d'aboutissement. Là on voit bien le, le, les deux étapes. Hein. Étape pomping pour casser sa finesse, pas avancer sur la cible et ensuite faire son final sur la cible. Et maintenant on va voir toujours pareil, il n'y a pas beaucoup de vent. Et on va voir un pumping là très doux, mal fait, ou mal réalisé, on va dire, qui finit mal. Et on va voir pour, comment ça se fait que ce pumping finit mal. Donc la cible, voilà, le gars arrive. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de vent, j'en sais rien. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de vent. Voilà, donc là, il voit qu'il est trop haut, donc il va commencer à pomper. Et si vous êtes attentif, il ne remonte pas les mains vraiment. Et bim, oh ça décroche. Voilà. Donc, si vous vous arrêtez, euh, euh, si, si vous pensez que le pumping, c'est ça, non, ça, c'est du pumping qui est mal fait. C'est quelqu'un qui arrive aux basses vitesse, Donc, il, va, il a les mains au niveau à peu près de la poitrine, sous la poitrine. Il va descendre les mains, mais il ne les remonte pas très hautes. Donc, il maintient sa voile dans des très basses vitesses près du sol et puis il remet un coup de frein il manque la partie où il a relevé les mains complètement pour que la voile puisse avancer et là il aurait pu la freiner donc là le vous avez vu deux pompings euh, avant un hein, très radical qui marcherait bien et celui-là est plutôt très doux mais qui est fait avec les mains trop basses au départ qui remontent pas assez voilà Merci Jérôme. Euh, il, y il y a des questions. Tu l'as peut-être. C'est une question qui avait été envoyée avant justement sur le pumping où on a dit à quelqu'un de pas le faire, etc. C'était. Oui, c'est ça. On va on va retrouver le, la question. Euh... Ah bah tiens, regarde, on a on a. Alors il y a celle-là déjà. Euh, ça, je pense qu'elle est juste après. Quelle est la meilleure procédure pour atterrir sur un déco de petite surface euh, par un vent météo moyen 15-20 km heure? Lionel pose cette question. Est-ce que le pumping peut être une solution? Alors. Je, alors On ne peut pas du tout répondre à la question parce que n'oubliez pas, là tu me parles, euh, je n'ai pas assez de, de recul sur la morphologie du terrain. Est-ce qu'il y a des arbres, est-ce qu'il y a un accès derrière? Euh, est-ce que le, 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 le relief est très doux? Si tu as un relief qui est très doux sans obstacle, tu peux aller très loin derrière le terrain pour être sur des filets d'air horizontaux et puis descendre sans avoir besoin de faire de pumping. Si c'est un terrain qui est tout petit, c'est-à-dire encadré d'arbres, je pense le, le terrain qui me vient à l'esprit. Euh, qui est encadré d'arbres, je ne sais pas, plan euh, au-dessus de Taloir, c'est un terrain qui est encadré d'arbres. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme terrain que... Bon là, ça ne me vient pas comme ça à l'esprit. Euh, si les terrains sont encadrés par des arbres très hauts, euh, c'est super compliqué de poser dessus, il faudra arriver par l'avant et se laisser en, en dessous du déco et se laisser remonter sur le terrain en crabe et se remettre face au vent donc le pumping je peux pas te répondre comme ça il faudrait que j'ai un visuel sur ce terrain et voir comment il faut que tu vois comment font les autres pilotes si, quand ils reposent là-haut quelle est la technique qui est euh, plutôt utilisée si elle, est, elle te paraît efficace euh, si elle te paraît safe ou voilà alors des questions sur le pumping, Jérôme justement. Euh, Cédric qui nous dit qu'il faudrait peut-être préciser que c'est il faut avoir un certain niveau pour ce genre de manœuvre pour le pumping de l'entraînement. C'est pour ça que dans, dans le chapitre atterrissage de Wingmaster, c'est une des manœuvres. Regardez là pendant ce live, et hein, on en parle tard, hein, on n'a pas parlé de ça au début. Et on, on rentre dans, dans la discussion, dans plus de techniques, avec des atterrissages plus turbulents, etc., et plus de techniques. Donc oui, bien sûr, le pumping demande la connaissance de sa voile. Euh, on n'apprend pas le pumping sur l'atterrissage, on l'apprend avec de la hauteur, hein, pour, pour voir, ça peut être appris en stachy ou de pilotage ou pas du tout, ça dépend de votre expérience, de comment vous abordez votre progression. Euh, voilà, bien sûr, ça s'adresse, oui, à des, à des pilotes qui sont qui, qui sont, on va dire, réfléchis, qui, qui prennent conscience de ce qu'ils font. Euh, voilà quoi, puisque le, les mouvements sont assez, on va dire, radicaux, bien, bien que safe, ils sont radicaux. Quoi. Et Jackie qui rajoute des notions Bonjour, de, <laughs> de notions de timing et de rythme également. Tout à fait, euh, Jackie B, peut-être, je sais Jackie pas. Jackie B, oui. Euh, ben, salut Jackie, c'est sympa que tu sois là. Euh, donc bien sûr, il y a une question de rythme, et vous voyez que euh, on, le, le rythme est assez rapide en fait. Quand on fait du pumping, il faut plutôt se mettre à l'esprit qu'il faut lâcher la voile. Au lieu de se dire qu'il faut la, pas arrêter de la freiner, on peut on peut interpréter la manœuvre différemment, en disant qu'on a les mains basses, mais on, on relève toujours les mains, les mains de la de la partie basse en fait. On fait que relever les mains, on freine, on relève, on freine, on relève, voilà. Euh, donc c'est une technique qui s'apprend, c'est pas un truc qui naît, qui s'invente, etc. Après il faut se demander euh, euh, est-ce que j'en ai besoin en fait sur tel latéraux parce que le, le, le mauvais côté des choses c'est qu'on voit des pilotes maintenant qui ne posent qu'en pumping. Et, et, et c'est une manœuvre qui n'est pas du tout indispensable sur certains terrains, mais qui est faite, euh, on va dire, comme la solution qu'on a parlé euh, au, au milieu du live, où on a dit que certains touchent l'arbre pour poser dans le terrain, mais il y en a qui arrivent toujours trop haut et, parce qu'ils n'arrivent pas à construire leur approche par rapport au point d'abattissement. Donc leur solution, c'est d'arriver trop haut et d'utiliser une solution qui est le pumping. Euh, voilà, donc euh, savoir comment ça se fait qu'on utilise le pumping, dans quelle situation on le met en place, dans, dans quel environnement hérologique. Et, et topographique, on le met en place bien sûr. Ça s'apprend. Jérôme, dans les questions, alors je ne sais pas si c'est celle-là. Euh... Ah oui, oui voilà. Mon prof à... d'Annecy de Mini Voile, Jean, qui dit, euh, Jean Bonneau dit salut à Eric. Euh, Jean Bonneau de Savoie, ouais. m'a toujours interdit de pomper à terreau Pourtant, je vois, le... je vois régulièrement des professionnels pomper en tandem. Merci. Et sans que cela choque personne, après trois ans de pratique, je n'ai toujours pas osé pomper alors que j'aimerais bien essayer. Pourquoi Mais... est-ce dangereux À quoi ça sert si c'est dangereux mais euh, non, ce n'est pas dangereux. C'est dangereux si c'est mal fait. Tu vois, On vient de voir des images de pomping euh, bien fait et plutôt efficace et adapté à la situation. Euh, alors, il faut que tu remettes dans le contexte. C'était avec Eric B. Euh, tu es sûrement en mini-voile. Donc, les mini-voiles, la question, c'est que euh, pourquoi tu aurais besoin du pomping si tu utilises une mini-voile alors que normalement, avec les mini-voiles, en te mettant en bras haut, tu vas dégrader un peu ton, ta finesse et peut-être pas avec un parapente, tu vois. Donc, c'est de savoir comment tu en as besoin. Ensuite, euh, je ne sais pas quel mini voile tu avais, je fais une hypothèse. Euh, les débattements sont un poil plus courts et c'est peut-être pas nécessaire, en fait, tu vois. Donc, c'est cette question de, de Eric. Il faut remettre le contexte, pas jeter la pierre du tout à Eric. Tu as dit euh, euh, c'est interdit de pomper à l'hétéro parce que tous les vols que tu as fait avec lui, etc., et c'était. Inutile d'utiliser cette technique. Après, toi, dans ta progression pilote, oui, tu peux te dire, ouais, j'aimerais bien faire ça et tout. Toujours pareil, comment tu vas apprendre ça, avec quel matos, dans quelles conditions et euh, dans quel, euh, pour quels besoins, en fait. Voilà. Euh, et, et oui, c'est un truc qu'on utilise des fois euh, souvent, même en bi, ça dépend des atterrissages, sur des atterros sans vent et tout, ça permet d'arriver haut, de casser sa finesse. Euh, voilà. Merci Jérôme. Mais il n'y a pas de, y a pas de, de technique dangereuse, il n'y a que des techniques mal réalisées quoi. Ou, ou, ou réalisées pas dans le bon contexte quoi. ou pour la bonne raison. Tu conseilles de, de, de s'entraîner avec, euh, avec un moniteur pour le pumping ou on peut le tester tout seul euh, Comme tu le montres dans Wingmaster d'ailleurs, pas, pas en finale, euh, généralement le pumping tu le, tu le fais très haut quoi, sur, sur l'approche. Voilà, on peut… Si, si vous avez de l'expérience, vous connaissez votre voile, vous pouvez très bien faire ça euh, très haut, euh, comme, vous faites, euh, comme vous faites du roulis, du tangage, vous pouvez essayer le pumping. Hein. Le but, c'est de vous y aller progressivement, commencer à descendre les mains, essayer d'avoir un rythme en fait, et pas du tout du débattement. Essayez de faire quelque chose rythmé pour voir ce qui se passe, et vous allez accentuer le débattement petit à petit. Si vous ne vous sentez pas du tout, ce n'est pas obligatoire, hein. le Wingmaster, ce n'est pas euh, une méthode euh, à adapter tout de suite en l'air. Non, non, c'est en complément d'une formation. Vous pouvez essayer de le faire en gonfle aussi gonflage au sol c'est-à-dire apprendre à utiliser votre débattement freiner à fond, remonter pour voir si votre voile décroche ou si elle raccroche euh, ça, après vous pouvez demander à votre moniteur euh, s'il le souhaite bien sûr si le moniteur ne souhaite pas euh, vous apprendre ça c'est pas grave, c'est tout à fait son droit vous pouvez le demander euh, sur un stage de pilotage en milieu sécurisé en disant voilà moi c'est une, une manœuvre que j'ai envie d'apprendre et puis on vous, on vous la fera faire euh, avec de la hauteur pour que vous voyez ce que c'est et puis après vous passerez à d'autres manœuvres, voilà une question, euh, avant d'entamer de, un petit jeu, et ensuite après on a des vidéos à regarder euh, d'athéros, euh, de différents athéros. Euh, Christophe demande, pumping et monosurface, point d'interrogation, ça se fait bah Oui, c'est pareil. pareil. La question, ça, ça revient toujours au même. Euh, dans quel cas, euh, quels sont tes besoins, quel est le terrain, quelle est l'aérologie, euh, etc. Bien sûr, euh, un, un parapente monosurface pilote comme une double surface. Voilà. Donc, euh, il ça... faut juste euh, que ce soit une mono surface Ou une voile classique Une voile double surface Si tu as des toutes petites voiles en toutes petites surfaces Il faudra juste se méfier que les débattements sont beaucoup plus courts Et que, et que c'est plus difficile Et que les petites surfaces qui volent plus vite Acceptent moins les basses vitesses Tu vois voilà on a un petit jeu à vous proposer avec Jérôme. Jérôme a préparé, ah bon euh, <laughs> super, a préparé trois questions, euh, voir si vous avez euh, suivi et voir vos connaissances en termes euh, d'approche et d'atterro. Euh, ça va apparaître sur votre, euh, sur votre vidéo. Vous allez pouvoir cliquer dessus. C'est sous la forme d'un sondage. Avec cette première question, je suis en finale avec de la hauteur. Euh, dans l'ordre, je me prépare à me mettre debout, je prends de la, vitesse, la vitesse possible, Jérôme en parlait tout à l'heure, et je me prépare à arrondir. Euh, voilà dans l'ordre ce que l'on fait. Si je suis trop bas pour faire les trois actions, quelle doit être l'action prioritaire Donc, est-ce que je me mets debout, est-ce que je prends la vitesse possible, ou est-ce que je freine pour arrondir Quelle est la priorité pour vous Jérôme, tu as des petits commentaires à faire sur, cette, sur ce contexte euh, non <laughs> il y a des questions je pense que si oh la question est assez claire euh, pas de commentaires là-dessus oui c'est c'est ça dans quel ordre on le oui, fait c'est en finale voilà c'est un truc qu'on voit souvent en fait euh, euh, bah faut... c'est-à-dire que quelqu'un arrive en finale et puis dans sa tête il se rappelle il, il a ancré tout le... c'est toujours pareil en fait c'est quelqu'un qui est devenu pilote autonome en fait après sa progression et il, il a ancré euh, se mettre debout se mettre bras haut freiner voilà c'est un truc qui est très ancré par contre quand il va continuer à voler changer de spot et tout à un moment il va être confronté à un truc il est un peu plus bas que d'habitude et il a pas le temps de tout faire donc, qu'est-ce qu'on choisit d'abord Qu'est-ce qu'on fait en priorité Est-ce que je me mets debout Est-ce que je prends la vitesse possible Donc, euh, ça veut dire euh, bras haut ou me pas haut. Voilà. Et ou est-ce que je freine pour arrondir Qu'est-ce que je fais en priorité en laissant les deux autres Lequel je, je privilégie Donc, voilà. pour l'instant, voilà. C'est ça, lequel je privilégie des trois. Euh, je peux te dire que c'est assez équilibré, Jérôme. Se euh, distingue un petit très peu. Intéressant. Prendre la vitesse possible et pour l'instant, euh, allez-y voter, hein, N'hésitez pas. Il y a, oui, il y a, il y a pas beaucoup. Ouais. Voilà, pas beaucoup de votants pour l'instant. Ça se, vous cliquez sur l'écran. Vous voyez le. le euh, il faut mettre peut-être plein écran votre euh, votre vidéo. Euh, il faut euh, cliquer sur 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 le. Ne le mettez pas en commentaire. Hein, cliquez sur le sur le sondage qui apparaît. Euh, donc, ou, se distingue, prendre la vitesse possible. À... Oui, pardon, Jérôme, tu veux. On regarde une vidéo pendant euh, ce temps Non, non, oui, je voulais euh, qu peut-être qu'on réponde à une question. Je me rappelle plus, je crois que c'était Marion euh, qui volait euh, avec du vent fort. Allez, j'ai une question. Euh, Est-ce que c'est celle-là Non, la jambe euh, la voilà On laisse les gens euh, Jean répondre. Bonneau de Haute-Savoie Frédéric, habitué des atéro classiques et du pompage, j'aimerais essayer la technique avec frein, vitesse mini et accélérateur. Ah. Quels sont les avantages et les inconvénients ou dangers Merci. Alors pour euh, comprendre ce que c'est, euh, cette technique, c'est-à-dire de cumuler euh, mi-frein, le hein, mi-frein symétrique et l'accélérateur, permet de dégrader euh, la finesse. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est énormément utilisé. Euh, ça a été euh, je crois il y a quelques années c'est Philippe Lamy qui montrait ça justement sur le déco euh, ouest du Chalvet à Saint-André-les-Alpes qui est un déco des de l'air qui est très technique on, est, on doit aller derrière mais pas trop parce que derrière c'est la, la cata au niveau aérologie donc c'était euh, avant qu'on fasse trop de pumping il utilisait cette technique c'est à dire accélérer avec du frein et il avait vraiment une voile accélérée mais comme elle avait du frein elle avait pas beaucoup de frein elle avait pas de risque de fermeture il avait vraiment euh, un angle de planée très mauvais qui lui permettait de, de venir poser en fait donc euh, toujours pareil est ce que tu as besoin de ça quel endroit euh, après oui tu, tu peux essayer oui après tu pas obligé d'essayer accélérateur à fond mais déjà mi accélérateur mi frein pour voir euh, euh, ce que ce que si c'est si, si ça te donne des résultats qui pourraient t'aider quoi mais c'est un truc qu'on fait qu'on fait pas trop on fait plutôt euh, maintenant et le pumping a pris un peu le dessus en, en technique ouais. Alors pour ceux qui n'ont pas le sondage pour pour répondre à la, à la question, il faut peut-être relancer le live, relancer votre page et vous allez retomber sur le live et peut-être le sondage. Nous dit-on en tout cas dans les commentaires. Euh, allez, on va arrêter celui-là, euh, Jérôme. Donc euh, la réponse, le, le, les réponses, c'est euh, 50%. Donc euh, des gens pensent qu'il faut prendre la vitesse la plus, la meilleure vitesse possible et ensuite suivi par se mettre debout, 30% quand même, et 22% pour freiner pour arrondir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire et ben le, la, la priorité, priorité eh bien de, de freiner pour arrondir. Parce que, n'oubliez pas que vous êtes en finale, c'est la fin. Donc, si vous n'avez pas le temps de tout faire, l'objectif le, 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 est eh bien d'arriver doucement au sol. Donc, il vaut mieux arriver doucement au sol en étant assis, mais avec une voile qui est, qui est complètement ralentie. Parce que si vous vous mettez bras haut, par exemple, ça veut dire que vous allez toucher euh, si votre priorité, si vous avez bien, alors peut-être que la question n'était pas assez claire, mais si, dans le, si la, vous mettez la priorité à vous, à vous mettre bras haut, vitesse max, c'est-à-dire que vous allez arriver assis sans freiner par terre. Hein. Si le, les 30 ont dit qu'il fallait euh, se mettre debout, c'est-à-dire que vous allez arriver au sol debout à vitesse max, d'accord Donc, il faut bien freiner. Si vous n'avez plus qu'un truc à faire entre les trois, c'est bien de freiner avant de toucher. Hein. C'est la priorité, quoi qu'il arrive, à la toute fin, Jérôme. Peut-être qu'on va voir comment réagissent les gens. Peut-être qu'il y avait une mauvaise compréhension ou la question était mal posée, quoi. Hein, c'est possible. Parce que le, le résultat m'étonne. Mais quoi m'étonne Oui et non. Parce que c'est ce qu'on voit régulièrement. C'est le fait, le, le fait d'avoir ancré euh, ce, ce protocole, en fait, et d'essayer de, de, et de refaire tout le temps ce protocole, debout brao freiner sans tenir compte de, 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 de des changements possibles. Et pourquoi il y a des changements possibles Simplement, que vous n'êtes plus dans le même contexte. Maintenant, vous êtes pilote autonome. Vous allez voler ailleurs, sur des différents sites. Les ne sont pas les mêmes. l'aérologie n'est pas la même. Vous ne pouvez pas tout prévoir, etc. Donc, c'est difficile de refaire. Des fois, on est, on est embêté. On ne peut pas refaire tous les protocoles. Donc, effectivement, Donc, il, y a, il y a pardon. Il y a il y a des priorités. Il y a des gens qui disent euh, avec de la hauteur, se met... euh, JP dit avec de la hauteur, il faut se mettre debout. Non D'accord. La, la question, la question la, la... Oui, mais alors si la... on a de la hauteur, ça veut dire que la hauteur permet de faire le protocole, mmh. se mettre debout, prendre de la vitesse, freiner. Là, là, là vous n'avez pas la hauteur pour faire les trois. Ah oui, parce que en fait, c'est je suis en finale avec de la hauteur. Effectivement, la, la, la question était je suis en finale avec de la hauteur. D'accord. Donc, bon, peut-être que la, ça, la, voilà, la, la question était mal posée. À... Allez. Donc, tout le monde a très bien répondu. Donc, <laughs> félicitations. félicitations. On est, on est, voilà. Et allez, on a une deuxième question. Cette fois, peut-être, ça va être plus clair. Quelle est la priorité lors d'un atterrissage en aérologie turbulente Donc, atterrissage en aérologie turbulente. Pareil, même histoire de priorité. Qu'est-ce qu'on fait On fait les oreilles. Réponse 1. La réponse 2, on pilote sa voile pour éviter les fermetures. Ou la réponse 3, on se met bras haut avant l'arrondi. C'est parti pour, pour voter. Euh... Merci Richard, il dit que c'était très clair. Euh... <laughs> Clair, quoi. Et Philippe qui dit, ce sont les trois composantes d'une finale. Non, oui, justement, mais, euh, effectivement, il y a des fois où on peut pas faire les trois. Donc, il faut, il faut en choisir une. Donc là, en priorité, lors d'un atterrissage on a, en aérologie turbulente, répondez à cette nouvelle question. Et pendant ce temps, on répond avec Jérôme à la question suivante. Euh, ah ben je crois que. Attends, on est arrivé au bout ou alors celle-là on l'a déjà eue. Euh, attends, qu'est-ce qui me reste comme question euh, <coughs> non, mais je crois qu'on a passé toutes les questions, Jérôme. C'est bon. Il y, avait, il y avait une question aussi de. Je crois que c'était Marion, je crois, qui volait dans du vent fort. Euh, je l'ai peut-être passé euh, tout à l'heure. Allez, on va aller faire, euh, on va faire en live le passage euh, des questions. Fais voir, euh, Vincent, on l'a vu. Qui se fait qui qui ah Marion, son... absolument. Oui. Alors Marion, elle dit bonjour. J'ai 26 vols et je ne sais toujours pas attirer sur. Mais non, c'est on l'a fait Non, c'était euh, pas, pas Marion. Non, c Émilie, exactement. On avait une question d'Émilie. Voilà. J'ai eu à plusieurs reprises dans le début de ma formation des difficultés à l'atterrissage étant très légère et donc en bas de PTV, le vent forcissant d'autant plus en bord de mer ou en vol dans du vent soutenu. Je me suis fait reculer la première fois dans les dunes, posé en marche arrière dans la dune. Sans problème, ça aurait pu être pire. La deuxième, c'était limite la catastrophe. J'ai eu beaucoup de chance, il y avait une route très fréquentée derrière l'atterro. J'atterris... J'ai atterri vraiment au bord et en fin de terrain avec l'aide de quelqu'un qui m'a pris les commandes quand j'étais presque au sol pour affaler la voile. Donc Emilie, là, elle est en situation euh, critique quand même. Hein. Ouais, ouais. Ah oui, c'est chaud patate. Voilà, donc la question, quoi les trucs, c'est je de, proposera émilie déjà c'est le voir elle, dit elle est en bas de fourchette de voile. Donc si tu, émilie, tu as l'habitude, euh, si le volet en bord de mer est toujours dans du vent, le choix du matériel va être très très important pour toi. Euh, là, tu as peut-être un parapente, donc ici, je sais pas combien tu pèses, mais si tu as euh, euh, si, si as un PTV qui est très faible, euh, les parapentes, il n'y a pas beaucoup de parapentes avec des petits PTV, ça avance pas beaucoup, surtout si c'est des ENA, etc. Puisque pour les petites tailles, euh, voilà, tu vas vraiment pêcher en vitesse. Euh, donc si tu voles tout le temps en bord de mer et tout, il faut, il faut orienter ton matériel vers des voiles plus adaptées à ce type d'aérologie, type mini-voile par exemple, où tu peux avoir des voiles de 18 mètres carrés avec un bon potentiel de vitesse qui avance bien et ça, ça te permettra d'être un peu plus sereine je pense. Si tu voles tout le temps là-bas, hein, ça c'est important pour te permettre de voler dans du vent sans te mettre au taquet ou ou même en, carrément en danger là euh, l'autre truc c'est peut-être l'analyse du vent comment ça se fait que le vent force comment ça se fait que tu te retrouves dans cette situation là est-ce que tu décolles déjà il y a du vent ou est-ce que ça force en l'air c'est-à-dire comment tu, tu fais évoluer ton vol ou comment tu choisis de voler ou pas voilà ça c'est important est-ce que c'est des décisions qui sont personnelles est-ce qu'on est-ce que l'entourage te dit d'y aller ou pas ça je peux pas je sais pas tout ça tu vois donc il faut tenir compte de pas mal de facteurs extérieur. Déjà moi le matériel et ensuite l'analyse des conditions dans lesquelles tu voles. Voilà, et si tu veux pas changer de matériel ou si c'est pas du tout le point, c'est dans quelles conditions tu voles, euh, comment tu abordes les conditions dans lesquelles tu voles. Quoi. Merci Jérôme. Effectivement, le contexte est tous difficile de le, de et, le déterminer et, comme et ça. Le et ouais. der, dernier point, oui, c'est aussi comment tu voles dans ces conditions-là. Est-ce que tout le monde se met aussi dans des situations limites ou c'est systématiquement toi euh, par rapport peut-être à un mauvais placement de vol dans le vent voilà. Et Martial rajoute justement atterrir en reculant, est-ce possible d'atterrir twisté pour être dans le sens euh, du replacement Alors. Euh, on va dire qu'en théorie, oui, on, on va dire que si tu recules, en théorie, tu te twistes et puis euh, comme ça, dès, dès que tu touches le sol, comme tu n'auras pas besoin de freiner, euh, tu cours, tu cours en affalant ta voile. Le problème, c'est pour reculer, il faudrait qu'il y ait au moins plus de 35 km/h de vent à l'atterrissage et il y a et je connais pas beaucoup d'endroits avec 35 km/h de vent qui soient laminaires à l'atterrissage, surtout si tu voles en montagne. Donc, ça doit être vraiment le gros bazar au niveau aérologique près du sol. Donc, tu vas pas, la priorité ne va pas être de te twister. La priorité va être de rester, euh, de, que ta voile reste face au vent et de piloter ta voile parce que je pense pas que ce soit très calme et de rester comme ça et de poser à La difficulté va être, c'est pas grave, le, le, le fait de reculer ne pose pas de problème. Le problème va commencer quand tes pieds vont toucher le sol c'est pour affaler la voile. Et ça, ça va être compliqué. Euh, donc, tu intérêt de t'y préparer avant. Comment s'y préparer Peut-être l'affalement aux élévateurs arrière. Euh, Peut-être freiner à fond que d'un côté. Mais je pense que si tu recules, il y a de grandes chances que tu te fasses traîner au sol. Donc, il faut être, on va dire, très dynamique euh, pour, pour pas être traîné. Et tout. Donc là, on est dans des situations critiques. Euh, voilà. Donc j'ai... Il n'y a pas deux solutions, il n'y a pas une solution comme ça à dire. Mais twister, je pense pas que ce soit le bon plan si tu recules. Ouais. Ou ça va pas amener du confort. Jérôme, on répond à la à la question. Euh, oui. Donc euh, en finale avec de la hauteur. Euh, non, pardon. Euh, en priorité lors d'un atterrissage, on a été en rologie turbulente. Qu'est-ce qu'on fait On fait les oui. oreilles. Euh, alors 92% pour 92, c'est piloter sa voile pour éviter oui. les fermetures. 0% oh. faire les oreilles et euh, 7% se mettre bras haut avant l'arrondi. Voilà. Donc, euh, et ben, la question était bien posée. <laughs> tout le monde ça. a bien répondu. <rire> <rire> voilà, tout le monde a bien répondu. Alors, on peut parler des 7% qui ont répondu se mettre bras haut. Donc, vous avez peut-être raté le début du live. Euh, euh, là, c'est des questions de priorité. C'est sûr que si vous ancrez le protocole, je me mets debout, je me mets bras haut, taquet. Et je vais faire l'arrondi. Là, le contexte ne s'y prête pas du tout. C'est turbulent, donc ça veut dire que la priorité, c'est le maximum de vitesse possible. Il y a le possible. Donc, si c'est turbulent, je pense pas que vous pouvez être bravo Alors, quand vous entendez, alors il y a le message qui traîne peut-être encore. Je ne sais pas. Vitesse égale sécurité au sol. Ça, ça marche bien quand c'est de l'aérologie calme, puisque c'est un message qui permet d'avoir un bel arrondi. Mais ça ne permet pas de passer à travers les turbulences. Euh, si on est brau, on a un angle d'incidence faible, donc du sang, on risque des fermetures. Donc la priorité est de ne pas avoir de fermeture. Et une voile pose très bien en étant à mi-frein et, et, et en arrondissant à mi-frein. Jérôme, les spécificités de, de l'atterrissage en bord de mer, nous nous quelqu'un nous pose la question, ça rejoint la, 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 les vols d'Émilie aussi peut-être. Euh, euh, des spécificités alors... Oui, oui, les spécificités du. Alors, il y en a plusieurs. Il y a le, les avantages, on va dire, c'est qu'on peut on peut avoir une aérologie euh, plutôt calme, puisque si le vent vient de la mer, bien sûr, on va avoir une aérologie euh, plutôt calme, laminaire, on va avoir un espace libre pour faire son approche. Je pense à Saint-Leu, mais je pense à, à plein d'autres sites euh, bord de mer. Euh, euh, voilà, alors c'est sûr que si le vent vient de la terre. Et qu'on vole en bord de mer, on se retrouve en vol et le vent vient de la terre. Là, ça devient un petit peu plus sport, quoi. Hein. Euh, ça arrive des fois à la dune du Pila, euh, Si on vole dans les mauvaises conditions, on finit dans l'eau. Euh, les inconvénients les inconvénients du, du vol en bord de... Alors, un autre avantage aussi, c'est qu'on a un visuel sur l'état de surface de la mer. Donc, ça peut, si vous connaissez le coin, euh, quand le vent forcit, à partir de 25 km heure, il est normal qu'on puisse voir apparaître des, des moutons sur l'eau, de l'écume, l'écume des vagues. Ça, ça vous donne un repère, qu'il y, y a du vent soutenu, mais il y a des sites où on ne peut voler que quand il y a des moutons, sinon le vent n'est pas assez fort en fonction du relief. Mais ça vous donne un repère de vitesse, en fait. Euh, les inconvénients, c'est que si vous volez toujours en bord de mer, surtout sur les sites où il y a des marées, euh, il faut être garanti que le vent soit régulier. Euh, Peut-être qu'il y a des sites où on, on ne peut voler en bord de mer qu'en reposant en décollage, ça veut dire qu'il n'y a pas de terrain d'atterrissage en bas. Euh, ça, il faut, c'est chaud, chaud, euh, De les vols en bord de mer sans atterrissage en bas. Si le vent faiblit, ben, vous finissez euh, à la baille. Euh, et s'il y a des vagues, ça peut être très chaud. Euh, par exemple, le vol de Saint-Leu, il n'est pas trop risqué en bord de mer parce que tout, tout euh, on va dire... Euh, le, la surface d'eau qui est autour de l'atterrissage il y a un mètre d'eau D'accord. On n'est pas dans les vagues. Si, si on avait des grosses vagues, on, on, on aborderait l'atterrissage de manière, euh, le fait de voler en bord de mer un, un petit peu différemment. Les gens qui volent en bord de mer, euh, euh, soit sur la côte atlantique, soit dans le Nord, je pense dans le Nord, on peut avoir euh, volé avec du vin avec des grosses vagues en bas et, et, des, et des accès euh, atterrissage pas euh, très techniques, terribles. Et en soaring, il y a des spécificités euh, sur le bord de mer, le vol falaise. Oh ben oui, c'est, on va dire, c'est l'idéal hein, de faire du, du vol en bord de falaise, en bord de mer. On, on Mais peut pour le, pour les atéros, excellente. Ah, pour les atéros, oui, on a l'avantage, c'est qu'on a. Euh, alors. On peut reposer au décollage, ça c'est un des critères aussi, là on est dans le thème d'atterrissage. On peut atterrir au décollage dans du dynamique, il y a des sites qui ne fonctionnent que comme ça. Euh, Est-ce que tu as des conseils, fait, qui... voilà, des, 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 un débutant qui nous ah demande oui. des conseils pour atterrir euh, en, dans ces conditions-là en soaring Alors... Ben oui, c'est à dire que le premier conseil, c'est d'arriver sur le site, de s'asseoir et de regarder comment font les autres. Donc euh, il va ça va lui permettre de regarder comment le la population des pilotes qui utilisent le site, quel type de, de procédure ils font pour venir poser. Donc ils vont peut être arriver sur le côté, si, suivant la morphologie du terrain, ils vont peut être arriver par derrière, etc. Et c'est ça qui va lui qui va permettre aux pilotes débutants de regarder ce qui se passe et, et de pouvoir s'imaginer le faire, ce truc là voilà et ensuite euh, se mettre en l'air dans des conditions pas trop fortes et puis on peut très bien faire des passages sur le décollage sans vouloir poser la première fois hein, on peut faire 10-15 passages pour pour régler sa vitesse sol etc pour prendre confiance euh, euh, pour petit à petit ajuster son, son pilotage près du sol pour pouvoir reposer et puis il y a des il des atterrissages au sommet qui sont tellement techniques qui sont pas du tout réservés si on, euh, à des gens qui ont peu d'expérience parce que ils demandent de poser soit trop près du bord soit derrière soit de faire du pumping, euh, donc tout dans, dans des créneaux aérologiques turbulents ou très courts ou voilà, donc euh, tout dépend du terrain. Voilà. Bon et Jérôme, regardez les autres, ouais. vous regardez les autres. Justement, en parlant de regarder les autres, j'ai une petite vidéo à te montrer euh, sur euh, du vol en bord oui, de très mer. Bien, là. Voilà, voilà, ce qui donc peut là, arriver. C'est un, un vol qui est c'est masse d'air très calme et le gars décide, euh, alors décide ou pas, où, où ça tient plus, il décide d'aller poser en bord de mer. Donc la plage, vous allez voir, elle est large du tout et là il ya un, un premier critère vous allez voir là on voit la plage bon il y a, ya de quoi poser la plage est très longue il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de vent et euh, il est plutôt sur l'eau donc c'est plutôt bien comme euh, comme positionnement et la question qu'on va se poser après c'est est-ce qu'il a choisi un endroit pour poser assez précis en fait donc là il fait des S en bordure vous avez peut-être vu cette vidéo de deux ans je crois ou un peu plus donc là il fait des c'est bien en fait voilà pour pour pouvoir se mettre sur la plage et là en fait il rentre sur le terrain et puis il s'aperçoit qu'il est trop long et il fait des petits zibouiboui qui servent pas à grand chose je pense qu'il doit rester bras haut aussi d'ailleurs voilà. obstacle et donc il est beaucoup trop long beaucoup trop long beaucoup trop long puis il finit ben oui il finit hein, il a plus de choix donc il y a les rochers déjà premier obstacle et surtout il arrive dans l'eau il a la chance il n'y a pas d'eau du tout où il arrive hein. Donc, ce qui fait que là, le fait d'arriver dans l'eau à la vitesse dans laquelle il arrive ne pose pas trop de problèmes. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vagues, parce que si vous avez des vagues en bord de mer comme ça, l'eau peut rentrer dans votre voile et vous tirer au bord. Hein. Ça, c'est un des, des trucs dont il faut faire super attention sur les poser euh, s'il n'y a pas de plage. Quoi. Donc là, sur ce, donc là, ça permettait de voir un amérissage aussi, parce que pour... je voulais aussi vous si vous montrer ces, ces, ces images-là, cette vidéo. Les risques de voler euh, euh, au bord de l'eau, hein. ça peut être un lac, la mer, une rivière. Et, et là, ce qui était important de voir sur cette approche, c'est que son début d'approche est bien. Puis quand il se met en finale, il devrait percuter tout de suite qu'il va être trop long. Alors peut-être qu'il n'y a pas de vent, peut-être que le vent est léger arrière, hein, on ne sait pas puisqu'il n'y a pas d'information sur le vent. Mais au début de son finale, quand il s'aperçoit qu'il va être trop long, il aurait tout de suite dû revenir sur l'eau pour euh, boucler quelques virages pour vraiment arriver dans la zone qui était la plus propice, la plus large de plage. Quoi. Et puis Jérôme pour pour terminer cette cette soirée, on est en train de te perdre aussi la connexion en train de, de de on est en train de pixéliser, on a une petite vidéo, là ouais. c'est un un grand non, professionnel. Voilà, elle vient d'arriver cette vidéo, c'est Griguel là sur un X-Alp, je sais pas laquelle, 2017, 2019. Euh, voilà, il est en ligne droite là et puis bon, vous voyez, il n'y a pas grand-chose pour poser il regarde un peu autour de lui et là il regarde je pense qu'il tourne pour regarder s'il y a des bagnoles en fait. Hein. Voilà, et il va poser sur euh, la, la bande d'arrêt d'urgence ou sur le carrefour qui est sur la droite, voilà. Il va okay. poser là. Voilà, un petit mètre pour poser quoi. Donc il y, y a pas beaucoup de vent, pas beaucoup. Donc ça c'est des poser. Alors pourquoi il posait, il faudrait lui demander, mais bon, vous connaissez Griguel, on voit un gars qui arrive en bagnole, euh, qui arrive à pied d'une voiture, euh, Griguel là, il est sûrement dans une op... Optimisation maximale de son vol, de son placement pour la suite, posé près d'une route, peut-être être ravitaillé au niveau alimentation, euh, peut-être que son équipe d'assistance soit à côté de lui. Donc, il va optimiser à bloc, c'est-à-dire que son vol, donc là, on n'a pas d'approche particulière, c'est que l'approche ressemble à une longue ligne droite et il a fait filer. Euh, parce qu'il a vu depuis très longtemps que là, c'était un créneau pour poser, que peut-être la seule difficulté, ça allait être l'aérologie, mais c'était calme, et surtout les bagnoles. Et, et ce renfoncement lui permet de poser là. Voilà. Donc, en fait, là, on voit qu'à il a, il a partir d'un moment, il n'a plus aucune autre solution. C'est ça qu'il faut voir. Hein. Il ne peut pas poser sur la route à cause des voitures. À droite, il y a des lampadaires et des baraques. Et à gauche, il y a des arbres et de la pente et des baraques. Donc, à, à, au bout d'un moment, il y a, il y a, bien avant le début de la vidéo, il y a un point de non-retour. Mais tout ça est volontaire. Hein. Et c'est précis, hein, et c'est pointu. Hein. C'est précis. Voilà. Là, 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 c'est du, du, du pro. Donc là, il va régler, il va régler son angle de plané au frein juste pour poser où il faut. Voilà. Et on a une dernière question. Euh, Quelqu'un qui demandait du, pour Émilie, dont on parlait tout à l'heure, du lest. Oui. Est-ce qu'elle est que peut être lestée, avoir de, du poids, des, euh, de, de, des gourdes avec de l'eau, ce genre de choses alors oui, elle peut se lester un petit peu, mais pour qu'un laisse soit efficace, il faudrait qu'elle se mette au moins 20 kilos de ballast. Donc, euh... Euh, une nana, c'est pas parce que c'est une nana, mais un pilote qui fait 45 kg, gérer 20 kg de ballast, c'est pour moi, c'est pas à tout On n'est pas en compétition, là, on reste dans du loisir. Gérer 20 kg de ballast, même 10 kg, euh, sur un décollage, ça veut dire que vous le portez, le, le, le ballast. Quand vous posez, quand vos pieds se posent, vous le portez aussi. Donc, si vous posez vent-arrière avec 10 kg de ballast, eh bien, vous, vous devez résister votre corps à 10 kg de plus que d'habitude. Donc, non, le ballast va faire gagner un petit peu de maniabilité, un peu de vitesse. Vitesse, mais très peu moi j'orienterai plutôt sur une voile adaptée si, si elle aime voler et dans, dans du vent quoi bien sûr il y a, y, a, y a ce qu'il faut quoi allez jérôme on a une dernière question et euh, on va regarder une dernière vidéo et on va se quitter euh, juste après euh, tu, tu avais préparé cette question le vent est fort à l'atéro ah, c'est oui. encore un sondage pour tout le monde le vent est fort à l'atéro environ 20 25 km heure je suis encore haut euh, donc pour atterrir, euh, non l'approche. Euh, je crois qu'il manque. Euh, non, j'ai pas mis la question en entier. Moi, je la vois pas en entier là. Euh, voilà comment je me mets. Euh, je me prépare mon approche. Je me mets devant le terrain, c'est-à-dire au vent du terrain, derrière le terrain, sous le vent ou sur le côté. Et Jérôme, tu nous montres un petit graphique le avec schéma. le schéma. Donc c'est euh, pixelisé. Fait, la, 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 la liaison est, est pas terrible. Alors est-ce ah. que tu peux nous montrer? Ouais ouais mais c'est toi, nous on te reçoit moins bien, donc euh, c'est un peu pixelisé, montre nous euh, voilà sur le on voit le côté, là. sous le vent, le vent étant de ce côté là dans ce sens là. Euh, le vent vient du haut de la feuille. Voilà sous le, le vent. vent, au vent sur les côtés. Voilà. Le terrain, au vent c'est au dessus, sous le vent, c'est en dessous, et le vent vient du haut de la feuille. Donc pour vous, si le vent est fort, à latéraux, vous vous mettez où pour votre approche, devant le terrain, derrière le terrain ou sur Alors. le côté. Alors, pour préciser, 20-25, c'est-à-dire que vous avancez encore un bras haut, hein. mais c'est soutenu, c'est-à-dire qu'il faut vraiment tenir compte du vent. Hein. 20-25, il faut pas... Euh, voilà. Hein. Et pendant que, pendant que les gens répondent, <laughs> euh, on va regarder un euh, arbrissage, Jérôme. Oui, Alors, ouais, super. Je vais essayer de Exactement retrouver... Manqué. Voilà, petite, Voilà, il manquait l'arbrissage. On est à Cham, là. On est à, à Cham. La météo est bonne. Il n'y a pas de vent, nous dit le, le, le commentaire. Ah, si, il y a du vent, oui. Il y, y a un, un petit peu vent de en vent. Bas, hein. ah ben en bas, y a, je pense qu'il y a beaucoup de vent. Oui, ouais, ouais, c'est ça. En le... fait, il n'y a, a pas de vent au décollage, mais il y a du vent dans la vallée. On voit le, le cercle correspond à l'atterrissage. Donc, le gars, euh, voilà, bon, il se retrouve ici et il va s'apercevoir que petit à petit au, au, au fil des images qu'il euh, rentre dans une couche de vent, la brise de vallée sûre, sûrement, et qu'il euh, va prendre conscience qu'il ne va pas atteindre le terrain d'atterrissage. Oui, là il est face au terrain et ça ne s'avance pas. Hein. Voilà, le terrain est sur sa droite, là il s'avance dans la vallée. On va Donc avancer là, un peu la vidéo, ce qu'elle fait 3 minutes. Voilà. Ça... Son questionnement, voilà, là c'est très bien, son questionnement après maintenant c'est je suis sûr que je n'arrive pas au terrain, il faut que je pose dans d'autres endroits, donc euh, là il a pas trop de choix vu sa hauteur et tout, ça va être dans des jardins en fait. Donc là il faut prendre une décision, c'est-à-dire qu'on le voit regarder son atterrissage disparaître derrière les arbres, et euh, on sent que son regard est toujours sur cet atterro et il ne se pose pas la question de, de où je vais me poser, hein, c'est ça à peu près, mais je pense qu'il a déjà une idée, mais on ne sait pas exactement ouais. ce qu'il a. Voilà. Il regarde pas à droite à gauche, là... peut-être. Ouais, tr... Ce qu'il dit, les tr... il a une bonne analyse hein, de ce qu'il fait, voilà. Et là, bon, il a décidé, de... il a choisi son terrain qui est sous ses pieds, voilà. Et là, il décide de faire un tour complet pour venir en fait à l'autre extrémité du terrain, en fait. Hein. Le terrain était sous ses pieds, il était au vent, et là, il fait un tour complet. C'est bien, ça, ça permettra de répondre à la question. Voilà, il, il, il a fait un tour complet, puis dans le terrain, ben, il aligne, et puis il rentre sûrement dans le gradient. Il a aussi de la chance, c'est pas très turbulent, puis il finit, euh, bim, dans le petit feuillu qui est au fond. Voilà, bim, voilà. Donc euh, il se passe pas grand chose, hein, je veux dire, il n'y a pas d'incident particulier. Mais par contre, ce, ce, ce qui est important de voir sur cette vidéo, c'est le contexte. C'est-à-dire que il y a l'air d'avoir une grosse différence entre l'aérologie qu'il a eu en début de vol. Euh, au décollage etc et l'aérologie qui était en bas alors soit il en a pas tenu compte soit il savait pas soit il découvre donc en gros il s'est un peu fait avoir puisque son placement avec le vent qui a son placement à la fin de son vol ne pouvait pas lui permettre s'il y avait du vent de rentrer au terrain d'atterrissage donc il a trouvé un terrain il s'est mis au vent et le gradient le fait que sa finesse s'améliore à la fin il finit dans l'arbre en bas voilà donc je voulais vous montrer ça là c'était euh, ça manque peut-être d'anticipation et tout, mais à la fin il gère plutôt pas mal. On pourrait se demander comment il aurait mieux géré à la fin, c'est-à-dire, mais on va en parler avec la réponse à la question. Allez, la réponse à la question, justement le vent est fort à latéraux, environ 20-25 km/h. Je suis encore haut, donc je me positionne devant le terrain, au vent, derrière le terrain, sous le vent, comme l'a fait le gars là, ou sur le côté, donc 68% devant le terrain, au vent. 7% euh, derrière le terrain, comme on vient de le voir, et 25% sur le côté, Jérôme. Ah, d'accord. Et au vent, combien de personnes Alors au vent, sois... non, non, vu que étais occupé. 67% oui. au vent, euh, 26% sur le côté, et 7%. Donc pour la plupart, 66% c'est devant le terrain, au vent. D'accord. Et ben, et ben non. Eh ben non. Il faut, il faut, eh ben non, je vais, je vais vous dire pourquoi. Le, on ne se met jamais au vent du terrain. Mais vous allez me dire, ouais, mais on m'a dit ça. Ben, je sais qu'on vous a dit ça depuis des années. C'est-à-dire, vous avez ancré ce truc-là. Mais quand on vous demande en début d'apprentissage de vous mettre au vent, c'est parce que le vent n'est pas très, très fort. Donc, ça ne pose pas trop de problèmes, en fait. Là, c'est pour ça que j'ai bien dit dans la phrase, le vent fait 20-25. Ça commence à être très soutenu. Donc, si vous vous, met, vous mettez au vent avec 20-25, c'est exactement. Alors, euh, c'est. Euh, Rappelez-vous la vidéo du gansy il, euh, il y a un peu plus, il y a 30, donc il est au vent. Mais si vous restez au vent trop longtemps parce que le vent est fort et que vous n'avancez pas beaucoup, vous allez vous retrouver dans une situation, il y a une situation très inconfortable pour deux raisons. La première, c'est que le terrain est dans votre dos, donc vous ne le voyez pas. Donc ça, c'est d'un inconfort, c'est insupportable en approche hein, de ne pas voir son terrain, surtout quand vous descendez, votre hauteur sol est faible. Le deuxième point très inconfortable, c'est exactement ce qu'a fait le gars la dernière vidéo qui finit dans l'arbre, c'est que le terrain est dans son dos et ça l'oblige pour poser à faire un tour complet. Et c'est ça, c'est un point inconfortable et qui peut devenir euh, risqué. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on est très près du sol et qu'on part vent arrière pour faire un virage? On a visuellement une vitesse sol qui va s'accélérer et on a envie de tourner rapidement. Donc on va appuyer fort sur sa commande et la grande classique dans ce genre de situation c'est de décrocher, de partir en vrille dans ce virage pour se remettre face au vent. Donc la dernière vidéo, le gars, avait le terrain dans son dos, donc c'était très inconfortable. Il était obligé de faire un tour complet. Il a bien géré, mais il a dû finir son tour. Et puis quand il finit son tour, et eh ben, il est, euh, il est emmerdé puisqu'il a, il peut plus rien faire. Donc il faut se mettre. Alors pourquoi on se met pas sous le vent Parce que dans 20-25, euh, vous risquez de ne plus rentrer sur le terrain. Vous n'avez aucune défense en fait, surtout si ça forçait un peu. Ça, vous, vous n'êtes pas devin vous ne le savez pas. Donc il faut se mettre sur les côtés du terrain. Les côtés du terrain vont vous permettre de rentrer quand vous voulez. En ayant toujours un visuel sur le terrain, simplement en vous déplaçant en crabe vers le terrain. Refais-nous si voir ton graphique, vous... euh, Jérôme. Voilà, je vais. Si on a la connexion, est assez bonne. Ouais. En étant sur le côté du terrain, voilà, vous allez pouvoir à tout moment rentrer en crabe sur le terrain en restant face au vent, tandis que si vous êtes là, vous allez devoir faire un tour complet comme ça et qui va vous mettre dans une situation délicate. Donc, quand le vent est fort, on ne se met pas, quand le vent est soutenu, hein, on a dit 20, 25, c'est fort, on ne se met pas au vent du terrain. La seule, le, la seule configuration où il faut se mettre au vent du terrain au niveau aérologique, c'est si vous reculez. Si vous reculez, comme ça, vous reculez dans le terrain. Ça sera un petit peu mieux. Voilà, c'est une des seules raisons pour lesquelles on doit se mettre au vent dans du vent très fort, c'est si on recule. Ou Si on n'avance pas, parce que si on n'avance pas bras haut, en étant devant le terrain, en freinant un tout petit peu, on va reculer et on va faire une espèce de créneau comme ça. Ouais. On, va, on, va, on va aller poser en, en gérant sa marche arrière, puis sa marche avant. Voilà, est-ce que j'espère vous avoir donné des informations que c'est clair pour vous sur ce truc là que ça vous paraît pas euh, euh, trop trop bizarre ou extra voilà, ou trop clair. foulou si ça, si ça ne correspond C'est sûr que ça ne correspond pas à ce que vous pensez, hein. ça j'en suis persuadé. Moi je vous parle d'expérience de, euh, après quand vous allez voler ou... Mais je pense qu'il y a des pilotes euh... Oui Richard dit qu'il se met au vent, euh, c'est utile si euh, 40 km heure de vent quoi. Effectivement, c'est oui, là tu commences à, que... à reculer quoi. Exactement. Quand on quand on commence à annoncer du 40, c'est que là on est, on, on, on pense qu'il est possible de reculer, quoi. Et, Donc il faut vraiment être au dessus du terrain, voire devant au dessus, quoi. Et il y a au dessus pas, aussi peut être en soaring sur une falaise où tu dois te reposer sur la sur la sur la falaise, où tu tu, tu restes au dessus du terrain et tu attends que ça descende. Ah oui, ça c'est autre chose, ça hein. c est c est spécifique, ouais. on n'est pas dans du vent fort, euh, il faut se placer, mais même, mais même, même en soaring, c'est pour une question visuelle, si tu peux être un peu derrière le terrain et, gérer, et avoir toujours de la vitesse sol et la gérer, c'est très bien, mais tu as des terrains, tu ne peux pas être derrière, c'est trop turbulent, donc tu es obligé d'être sur le côté, toujours pour avoir un visuel, mais si tu te mets devant, ça va être compliqué de poser mmh. sur le terrain qui est derrière toi, voilà. Bon super Jérôme merci beaucoup ça fait euh, plus de 2 deux heures 2h10 deux heures qu'on ah bah est oui, bah là à en direct on dit juste 1h10 ouais. on fait et on fait plus et et, long euh, long. Et, euh, et on a plein de questions et euh, et des gens qui nous ont euh, euh, regardé euh, de de partout. On a encore et eu partout, des ouais. des bonjours d'Algérie, de, du Maroc, de Tunisie là, et ouais. euh, de toute la, la France, de de la Réunion. Euh, merci à vous. N'hésitez pas euh, à poser vos questions encore dans les commentaires euh, pour Jérôme qui pourra y répondre. Et puis surtout euh, tous ces conseils, vous allez les voir parce que là il y a beaucoup de de de, de parlotes hein, sur ces lives, mais vous allez pouvoir les voir en live euh, faite par Jérôme dans des conditions réelles avec du multicaméra euh, avec Wingmaster donc euh, l'adresse wingmaster.top vous les vous c'est assez rappelé sur l'habillage là tout au long de ces lives euh, merci euh, de nous avoir suivis merci Jérôme d'avoir pris tout ce temps euh, quelqu'un demandait à quand est le prochain live bon généralement on ah bah, le fait tous les, tous les trois on va jours faire, on, va euh, finir on va déjà finir celui-là mais on, on pour l'instant on s'est basé sur le samedi et le mercredi peut-être qu'on en fera d'autres voilà, on, euh, on va voir après et sincèrement ça va dépendre de, de moi aussi de mon organisation aussi familiale hein, avec Bien euh, sûr. le confinement le boulot le, le la garde du petit tout ça, ça. Donc, on euh, fera peut-être peut en cha changeront. voilà changer ce qu'il qu faut savoir c'est si euh, je sais que là on essaye de trouver un horaire où il y a le maximum de gens possible hein, euh, par rapport à, à la période particulière sachez par les autour de vous que vous pouvez les revoir euh, c'est en, re en rediffusion c'est en accès libre euh, vous pouvez continuer à poser des questions donc c'est possible qu'on en fasse en D'horaire aussi, il y aura peut-être moins de monde parce que ça correspondra pas à vos disponibilités, mais vous pourrez les revoir après. Et n'hésitez pas à poser si vous avez vraiment des thèmes qui vous tiennent à coeur. Euh, euh, voilà, Charlotte de Paris, euh, merci, euh, merci l'Algérie, merci à Amel, merci à Anthony, et euh, voilà, merci à tout le monde de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. C'était très chouette de, de, de vous voir tous ici, d'avoir autant de questions. Le sujet était hyper intéressant, euh, on pensait qu'on allait pouvoir faire court et parler de deux de sujets mais Exactement. je crois qu'à chaque fois il faut qu'on se qu'on se euh, résolve à ne faire un euh, hein, euh, se résolve oui ça marche aussi oui à ne faire qu'un seul euh, qu'un seul sujet euh, voilà en tout cas c'est euh, merci merci à tous et merci d'être là et surtout de poser des questions pour faire vivre ces Facebook Live ouais et puis euh, surtout bon confinement on sait qu'on a tous les ailes qui, qui vibrent surtout là les prochains jours ouais. on nous annonce 10 jours de, de beau temps d'été et tout ça va être la folie mais euh, restons bien à l'abri encore un parapentiste là près de Lyon qui s'est fait gauler euh, ces jours-ci, euh, je crois que vers Grenoble aussi il y a quelques jours euh, dans les Alpes aussi donc euh, c'est pas c'est pas les marrant jours, voilà, de se prendre faut... euh... Voilà, ce, que, ce que je peux dire, après, voilà chacun est responsable de ce qu'il fait, mais euh, sachez-là, moi je suis un peu en montagne, les, les conditions sont fumantes, il y avait plus de 3000 de plaf euh, dans le Vercors, là. Et il et y, a, y a des hélicos qui tournent, qui sont, je pense, plus pour de la surveillance euh, euh, de la surveillance des gens qui sont dehors, en, surtout en ski de rando aussi, euh, rando, ski de rando, peut-être parapente, parapente, il n'y a pas besoin de sortir l'hélico pour les voir, mais voilà. Et puis surtout on vous rappelle que le le, le je pense que euh, voilà le, le le confinement et ne pas sortir en parapente oui. c'est pas pour ne pas se faire plaisir, c'est surtout oui. pour éviter euh, de se mettre au tas et d'avoir appelé euh, l'hélico ou des secours qui ont autre chose à faire en ce moment. On a vu que les urgences partout étaient euh, et on a des soignants là qui nous ont suivis, ils le savent très bien. Euh, oui. Tout est tout est complet les gars, ont autre chose à faire qu'aller chercher un parapentiste et euh, oui. euh, voilà, c'est pas c'est pas c'est pas fun, il y a des mecs qui se qui se, qui se mettent au tas en bagnole parce qu'ils roulent à fond, euh, faudrait pas donner le mauvais exemple en parapente euh, en se mettant au tas euh, dans, dans ces jours euh, compliqués. Voilà le petit message de prévention. Merci. Et on fera des lives après le confinement. Emmanuel pose la question, il euh, y a de fortes oh, chances. Oui, hein forte chance. Et c'est quoi le résultat du jeu du dernier live Eh ben, il y a la réponse dans le, eh dans, oui. le dans le live dans précédent. Cinq oui. voiles, il y avait il euh, y avait 5 voiles. Jérôme utilise cinq voiles dans Wingmaster. Il euh, y a 21 chapitres dans Wingmaster, ça, vous le savez. Et on a eu 13 bonnes réponses exactement. Et la personne qui a gagné a euh, donné exactement les bonnes réponses, exactement le nombre de bonnes réponses, c'est-à-dire 13 bonnes réponses. Ouais. Voilà, et on fera un jeu ouais. la prochaine là, fois. Un vario, voilà. ouais, et Emilie, euh, merci de, de penser aux soignants, Emilie. Euh, C'est Emilie qui nous a posé des questions. On oui. a vu qu'elle était euh, soignante euh, à Lille. Euh, merci de nous avoir oui. suivis, Emilie, pendant oui. ces périodes de repos et plein de courage à toi. Et euh, on pense bien à tous ceux qui, qui aident euh, tous ces gens en, en grande difficulté en ce moment. Des bises à tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Salut, Jérôme. Merci beaucoup. Et on se voit euh, très vite. Ciao à tous. Salut, merci.